Wow. Bonjour à toutes et à tous, ici Jacob, bon, vous savez. Faux départ. Bonsoir. Ah non, aucune motivation. Je sais pas ce que j'ai, je suis éteint sa mère. Je sais pas ce que j'ai. Je crois que j'ai mangé un truc pas frais ce midi. Finalement, les œufs que j'ai achetés, je sais pas s'ils sont bons. C'est la deuxième fois que je les bouffe et je suis un peu derrière en mode. Donc, je vais peut-être arrêter d'en bouffer. Ouais. Ils ont pas l'air d'être frais. J'ai les talons dans les slips là, c'est. Ouh. Bonsoir. Bonsoir en tout cas, j'espère que vous allez tous agréablement bien. Qu'est-ce que tu racontes, Iranien? Pourquoi on a eu une apparition fugace? Je me suis foiré. J'ai voulu parler. Je me suis trompé. C'est tout. C'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. Tu as peut-être un petit peu de décalage, c'est tout. Ok, ce soir, on va y arriver. De toute façon, ce soir, ça va être tranquille. De toute façon, ce soir, c'est la tranquillitude. C'est la découverte d'un fangame de l'Esof qui est dans le chat. On dit merci à l'Esof pour son magnifique fangame. On a dû tester ça. Faut bien que tu parles à tous les personnages. Ouais, je me doute. J'ai vu la vidéo qu'il a partagée. J'ai vu la vidéo qu'il a partagée. Effectivement, ouais. Il faut. C'est dans le titre, quoi. Il faut parler aux gens. Ça a l'air d'être assez crucial. Donc on va bien voir ça va être marrant. Je sais pas si on va le faire en Nuzlocke. C'est qu'une démo, c'est que 3 heures. C'est vrai que j'aimerais bien aller au bout, histoire de voir un peu beaucoup. Mais bah oui, t'avais partagé une vidéo, tu sais, avec le Laporeille et la Pokéfille. Le mec se souvient même plus de ce qu'il poste, c'est terrible. Il poste beaucoup de choses. Qu'une chose à dire, hein. Il y a des Laporeilles, donc c'est forcément une bonne robe. Ouais, bien sûr. Je sais pas jusqu'à quelle génération on va, mais le fait qu'il y ait la 5. Le fait que. Ah, je pense que ça va jusqu'à la 4 et des Fakemon. Mais je me demande. Va falloir que tu nous dises dis comment tu fais sur certaines choses, parce que je m'attends à ce que ça soit moi la 4e génération, mais est-ce que du coup t'as pris le parti pris d'éliminer certaines espèces de bestioles? Ah non, 7G max? Mais comment tu fais pour implémenter du coup des Pokémon? C'est quelque chose que le jeu te permet? Ou c'est toi qui sacrifies des espèces et qui les resprite. Ouais, t'en as sélectionné certains. Ah, donc c'est ça. C'est genre t'as les 480, je sais pas combien, de la 4e génération. C'est permis, on va dire. Ok, curieux. Curieux, curieux. Bonsoir Dorinko, bonsoir à toi. Petite découverte en tout cas pour ce soir, pour cette petite ROM. Bon, du coup, on n'a pas le choix, on est sur Pokémon Hub, mais moi je m'en bats les couilles, hein. Moi je veux aller sur Crépuscule, hein, quand le jeu il sort, l'annonce. Il y a 350 Pokémon, dont les 20, 120 Fakemon et quelques formes régionales. Putain, stylé, avec des formes régionales. Ah ouais! Oh, tu t'es fait plaisir! Super, bah, j'ai trop hâte de voir ça, ça va être très rigolo. Ça va être très le rigolo. Bah sinon, j'ai rien à raconter depuis hier soir, donc je pèse. En vrai, enfin, on va peut-être y aller tout de suite, hein. On va pas perdre plus de temps. Hein. Et quelques formes dont je suis pas peu fier. Ouh. Ouais, non, c'est bon, allez, vas-y, on va aller jouer. On va aller voir ça. Juste, avec la démo, on a entre guillemets accès jusqu'à la 4e génération, mais dans la théorie pure, tous les Pokémon sont disponibles. Ça veut dire que techniquement, tous les Pokémon existent. C'est juste que bah, jusqu'à la 4e arène ou 3e arène, je sais plus, tu vas avoir que quelques routes, donc tu vas avoir que quelques Pokémon disponibles, que quelques Pokémon visibles. Bonsoir, ça fait longtemps. Bonsoir Théo, comment vas-tu? Bonsoir à toi. Effectivement, c'est fin de tournoi. C'est presque toute l'après-midi et ça m'a énormément surpris. Putain, stylé. Bah voilà, bah, visiblement, t'as déjà un fan, hein, Let's Off. Bonsoir, félicitations. Carcade est complètement subjugué par le travail, visiblement. Non, mais on va aller voir ça. On va aller tout de suite voir ça. Hein. Écoutez, on va pas perdre plus de temps. 350 Pokémon Pokédex régional. Après, il pourra Pokédex national pour le post-game. Waouh, putain, dur. Dur. Alors, attendez, hop, on va mettre. Alors, quoi que je dis la musique en pause, mais attendez. Faudrait déjà que je lance le jeu. Alors, dans le truc release, le truc point game. Ok, j'ai le son qui m'a explosé les oreilles, j'étais pas prêt. Ok, il y a un truc Illuminati déjà, ça commence mal. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, vous avez pas le son du jeu, même moi je l'ai pas, il n'y en a pas pour l'instant. Où est-ce qu'il est? Pokémon Hub, parfait. Voilà.
Alors moi, c'est trop marrant parce que vous, ça a l'air d'être stylé. Vous, vous avez l'impression que ouais, c'est en grand, c'est trop bien. Moi, j'ai une fenêtre de la taille de là, de ma caméra. C'est... Oui! Oui! Effectivement! Un petit problème de son, non? C'est mieux! C'est un peu mieux. Ah, ok, ça joue, ça détecte la souris, d'accord? Putain, j'ai envie de faire de la merde, mais j'ai envie de vous montrer ma souris parce que je trouve ça trop drôle, moi. Tac. Capturer le curseur. Non, parce que je flex, mais regardez ça, moi j'ai... Ah putain, non, ça se voit pas. Il est dégueulasse. Normalement, j'ai un poussifeu, genre en mode Pokémon Donjon Mystère, qui est mon curseur maintenant. Je sais pas si vous vous souvenez, avant j'avais une épée de Zelda. Genre là, maintenant, j'ai un poussifeu, c'est trop bien. Alt plus entrée, non, pour le plein écran, je sais plus. Ouais, mais attends, mais si je fais un Alt entrée, ça va pas baiser mon setup, moi, de mon côté. Attends, c'est quoi? Oh, pfff. Ok. Ouais. Ah! Toujours en... Ok. Ok, ok. Ok. Ça a l'air de... Ça marche ou pas? Non, voilà. Ça capture plus de votre côté. Vous avez plus que la souris, c'est ça. Alors là, je bouge, je joue et machin et vous voyez plus rien. C'est ça, je peux pas me mettre en plein écran. Je peux pas me mettre plein écran, moi. Sinon, ça merde au niveau de la capture. C'est pas grave. Je joue sur une petite truc. Enfin, en vrai, je vais mettre ça de l'autre côté, tu vois. Le truc, je vais le mettre dans un côté. Voilà, en mode bas les fesses, et de toute façon je vais regarder OBS, ça sera parfait. Hop là. Je peux B, est-ce que je peux enlever? Ça m'a niqué mon truc. Attends, pourquoi je peux pas? Ok. Quoi ce bordel? Attendez, bougez pas, j'ai un problème de mon côté. Ah voilà, le chat était en tout petit, je comprenais pas pourquoi, voilà, c'est parfait. Donc ce verset, alors, pardon, on va lire. Donc c'est une version démo. À ce titre, elle contient quelques bugs et ne dure que quelques... Oui, du coup, en fait, je vais enlever la souris, attendez. Bougez pas, voilà, tout va bien. C'est bon, là c'est bon, voilà, donc elle ne dure quelques heures. Aussi, n'oubliez pas de sauvegarder très régulièrement. Attention, la touche F12 relance le jeu. Comme ceci. Je suis obligé d'appuyer, je vérifie si ça marche. On vérifie si ça marche. Donc, ok, tac tac tac, touche F12 pour mettre le... Alors, touche F12, pas deux fois. Pour mettre le jeu en plein écran, vous pouvez utiliser Alt entrée. Oui, non, mais sinon, moi, ça fait tout bugger, donc non. Bon jeu. Let's go. Il est dans le chat. On l'applaudit, hein, bien évidemment. La souris, je l'utilise perso jamais, c'est une fonctionnalité de PSDK, donc je sais pas. Ah oui, d'accord. Ah oui. Oui, un gain à faire F12 sans faire exprès. À quel moment tu fais F12? Ah, peut-être parce que c'est capture d'écran. Oui, peut-être, c'est... Peut-être. S'il a l'habitude, second. Ouah! Bonjour, jeune dresseur! Putain, c'est difficile. C'est marrant de lui faire sa voix. Sauf que tu sais, genre, c'est une personne qui existe, donc il a déjà une voix. Enfin, je sais pas ce que je veux dire. Appuyez sur entrée ou c'est. Non, moi j'appuie sur espace. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis trop. Je suis au-dessus. Je suis au-dessus de tout le monde. Presse F to pay respect. Je suis le professeur Drong, mais tout le monde m'appelle Fifou. Ah ah. What the fuck, y'a un rat. Un rat. C'est un rat. Ce monde est peuplé de créatures du nom de Pokémon. Pour certains, les Pokémon sont des animaux domestiques. Pour d'autres, ils sont un moyen de combattre. Pour ma part, l'étude des Pokémon est ma profession. Mais tout d'abord, j'ai une question à te poser. Est-ce que ta mère est célibataire? Alors oui. Mais ça ne vous regarde pas, professeur. Non, non, bien sûr, je rigole. Est-ce que tu es une fille ou un garçon? Wouah! Il y a l'acceptation de tout le monde, c'est magnifique, félicitations. Un point bonus pour les sauves, incroyable. Je suis un garçon pour l'instant. Pour l'instant. Très bien, tu es donc un garçon, dis-moi, quel est ton nom? Vladimir. T'as choisi... Ok, faut qu'on parle, à quel moment Vladimir? Genre, juste t'aimes bien ce prénom ou c'est de base? Ou c'est juste une ref à Poutine? ta mère est un gag récurrent, calme-toi. Ah, c'est ton prénom à toi? Merde, désolé. Oups, la boulette d'un homme. Oh, c'est Jaco. Non, non. Ah, ok. Ah,
Ok, c'est toi qui as choisi, mais juste parce que t'aimes bien Vlad. Ok. Ok, ok. Tiens, voilà Dimir. Félicitations Snowy pour le jeu de mots dans le chat, hein, bien évidemment. Ok, ok, c'est... Non mais ok, Vladimir, pourquoi pas, c'est... Ça reste... ok. Non mais on ne juge pas le chat. On ne juge pas. Par contre, je remarque un truc, ouais. Donc Jaco tient sa personnalité de sa mère. Sympa. De quoi tu parles, Camille? Je tiens ma propre personnalité. Je suis unique. Il n'y en a pas deux comme moi, et Tyranion peut le dire. Tu t'appelles Jaco, c'est bien cela? Oui. Je suis tellement atypique que je sais pas ce que je fais dans ma famille, en toute honnêteté. Très bien, Jaco. Ici, très tôt, les enfants partent à l'aventure, et tu ne dérogeras pas à la règle, Jaco. La région que tu t'apprêtes à parcourir s'appelle Neoterra. Et comme les garçons de ton âge, tu rêves de devenir le meilleur dresseur. Ouah, c'est pas toi qui décide, monsieur le chauve. Mais pour ce faire, tu vas devoir collectionner les 8 badges d'arène. Et oui, terrible désillusion, on ne s'inscrit pas à la ligue Pokémon comme ça, mon grand. Ah, voici ton voisin. Tout comme toi, il souhaite devenir le meilleur, mais il est surtout ton plus grand rival depuis que vous êtes tout petit. Et surtout, c'est un immense rageux, donc attention à ne pas le heurter. Mais, comment s'appelle-t-il déjà? Hugo. Ouais, putain, comment on l'appelle? Il y a beaucoup de caractères. Non, on va revenir sur des classiques de prénoms incroyables. Ça sera Jean-Kévin. C'est ça, c'est Jean-Kévin. Je sais plus comment on l'appelait. Est-ce que c'était Jean-Kévin? Je sais plus. Est-ce qu'on l'appelle Jean-Kévin? C'est bien Jean-Kévin. Le masseur, votre rival. Jean-Trouduc. C'est parfait, oui. Oh, allez, vas-y, on va l'appeler Jean-Kévin. Je sais plus comment on l'appelait, notre rival. C'est pas Jean-Kévino? Ah, peut-être. C'est vrai que c'était Kévinou. Oh, c'est pas grave, ça sera Jean-Kévin. Jaco, ta quête des Pokémon est sur le point de commencer. Un tout nouveau monde de rêves, d'aventures et de Pokémon t'attend. Bah, bon voyage à toi. Disparition. Oh! J'ai cassé ma... Merde, attendez. Attendez, j'ai... j'ai enlevé ma touche. Hop là, parfait. Ok. Donc. Ok. On est en tout petit, c'est sympa. Est-ce que j'ai accès à des touches? J'ai accès à rien au niveau des touches. Je sais pas ce que c'est les touches, en fait. Ça, c'est quoi? C'est une Wii. C'est rétro. La Wii est une console rétro. Mais voilà, c'était sûr, en fait. C'était sûr. Sardin, j'étais en live depuis 14 heures sur League of Legends. Wouah! La dinguerie, le mec, il doit être mort. Voulez-vous ce livre, La technique des crêpes, par Thomas Varette? La technique des crêpes est une technique de séduction avancée que j'ai moi-même inventée. Cette technique a été mise au point dans le but de draguer sa voisine ou son voisin. Elle permet de provoquer à coup sûr un minimum de 3 interactions avec sa cible. Étape 1. Allez voir son voisin, sa voisine, et lui expliquer que vous faites des crêpes, mais que vous n'avez pas de lait. Alors déjà, je me chie dessus sur l'interaction 1, c'est mal barré pour moi. Ainsi, demandez-lui poliment si il ou elle peut vous dépanner. Étape 2. Comme vous êtes quelqu'un de très poli, il s'agira de remercier votre voisin-voisine comme il se doit. Ainsi, offrez-lui une assiette contenant une de vos crêpes en guise de recommandation. De remerciement, de recommandation. Étape 3. Maintenant, comme il ou elle a votre assiette, il est donc contraint de vous la rendre. Interaction 3. Fin de Thomas Varette. Pourquoi j'ai un livre de séduction à... J'ai 13 ans. C'est quoi le problème de mon personnage? Waouh. Ok. Seule interaction du PC, vas-y. Direct. Direct la potion. Bon, ça commence très bien. Déjà, on a un livre de séduction avec des crêpes. Ok, maman Jaco, ah, enfin tu es réveillé. Tu n'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose par hasard? Tu as oublié, c'est ça? Le professeur donc t'attend depuis au moins une demi-heure, abruti. C'est marrant parce que... Tu vois, genre, moi qui suis en retard, c'est... C'est logique. Mais réponds-moi! Allez, dépêche-toi. T'as la daronne, passif-agressif. Attendez, attendez, est-ce que la daronne a aussi des livres de séduction? Le pavé MMA par JVC. Je pense battre un gorille à main nue. Ouais, c'est un forum 18-25, là, je sais plus quoi. 12-25, je sais plus. Je pratique la MMA depuis 6 ans maintenant, de la boxe en parallèle, depuis 700, je pourrais. Ainsi que la musculation depuis 4 ans. 1m87 pour 86 kg, j'ai une vitesse de fou et des réflexes identiques à ma vitesse. J'ai juste à l'attendre qui me charge d'esquiver et lui donner des bonnes patates dans la tête. Je ne lâcherai pas la moindre erreur, le gorille est fini. T'auras toujours des puceaux d'ici pour penser que ça a poussé.
rien n'est possible, impossible avec de la volonté déjà les amis. Et de nous, c'est pareil, votre cordelage, que vous allez faire quoi que ce soit. N'importe quel homme, un minimum entraîné, peut vaincre un gorille avec un couteau déjà. Un manu, c'est pas forcément plus compliqué, ça demande juste de la technique. Merci jeuxvideo.com. Merci. Bonsoir Arcos, bonsoir Raton. Bienvenue à vous. On est à Bourguignon. On va aller donner des crêpes à notre voisine. Bonjour. Est-ce que vous voulez des crêpes? Il est voilà beau. Hein? Ok. Ah oui, non, pardon, je peux pas aller plus loin. Bon, on va pas lire tous les bouquins non plus parce qu'on va, être perdu avec jeuxvideo.com. On va aller direct là où ça nous intéresse. Je peux pas courir, hein, c'est une horreur. Ah, je peux contrôler avec SZQSD. Ok. 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 Wow, ça met super longtemps. Qu'est-ce que je fais là? Bah, tu vois que je suis en train de marcher. Oui. Ça m'a l'air d'être à. Oui. En tout cas, c'est très stylé, j'aime bien. Petit village tranquille, bip, pépère. Est-ce que c'est ça le labo? Ok, c'est un studio. Il paraît que le père de Jean-Kevin est un champion de Tudarine. Ouh! Le rival qui a un père champion, sympa. Nanana, tu vas te faire blesser si tu vas dans les outer. Oui, la classique. La petite, elle dit quoi? J'ai dit la petite, elle dit quoi? Appuie sur V, tu vas voir, c'est super génial. Et tu peux, si tu veux retourner en arrière, tu peux appuyer sur X. Oh! Le bouton. Ok. Hop là, sauvegarder. Ok, ça sauvegarde direct. Facile, facile, facile. Jusque-là, tout va bien. Où est-ce qu'il est le laboratoire? Il est plus loin? On va quand même. Ah non. Allez dans les hautes herbes, son Pokémon est très dangereux. Hein, zut. Vous voulez. Mise papillon, il te reste des choses à faire avant d'aller ici. Oh, c'est trop marrant comment ça me. Ok, ça passe pas. Salut Jaco, comment ça va? Ça va Alex? Et toi, comment vas-tu? On teste une fangame, un fangame pour le LOL. Ah, oh, mais tiens, mais qui voilà? Bah alors, Jaco, on est en retard, on a des problèmes dans la vie peut-être? Ouais, moi, je m'appelle Jaco et j'ai des problèmes dans la vie. C'est si vrai. Bon, allez, je me barre, de toute façon, j'ai choisi le meilleur Pokémon et comme t'es un abruti, tu choisiras forcément le plus nul. Et fais pas le malin avec moi, tu vas le regretter, minable. Ah, tu te souviens quand je voulais ton goûter dans la cour? N'oblige pas à recommencer, compris? Choisis ton Pokémon et rejoins-moi chez moi, il faut que je te cause. Allez, à plus, le nulos. Wouah! Wouah, le sprite! Oh, le giga brain! Oh, le giga brain du professeur Drong. Ah, te voilà enfin! Sais-tu pourquoi ton ami est aussi salé? Enfin bref, tu vas pour chance ton premier Pokémon. Va donc! Ok, c'est parti pour les starters, les amis. On a donc Pinherbe, le Pokémon plante. Et on a Écusson, le Pokémon eau. Mais surtout, on a. Oh non, mais il est trop stylé. On a Brésange. Tu t'es inspiré de Jaco pour faire ton perso principal. Le Brésange, le Pokémon feu. Un petit pôle pour chasseur. Ah, mais non, mais moi je voulais choisir Brésange. Mais c'est pas juste. Mais c'est pas juste le chat. Moi je voulais Brésange, les gars. Me faites pas choisir autre chose. Ne faites pas choisir autre chose, les gars, sérieusement. Go pour Brésange. Ah, merci. Merci l'équipe. 8 ans d'études pour en arriver à 8 ans. Et qu'est-ce que je fais, cher du café au prof? Le soupçon d'être un pervers passé. Super macho nucléaire. Pour l'instant, j'ai deux types feu et un go plante. Hein. On dit que le professeur Drong est capable de dire toutes les mamans de ses employés. Je l'ai pas pour. Fais un vote. Oh, vraiment un vote? Faut vraiment faire un vote? Bon. Faire un pot, un sondage. Hop. Hop. Attendez, je fais d'abord sur YouTube. Au cas où les gens veulent voter aussi sur YouTube. Parfait. Et vas-y, lance un poll à Kémy, s'il te plaît, ouais. Tu mets starter feu aux plantes. Moi, je dis c'est le feu qui va gagner. Moi, je dis les gens vont être avec moi. Les gens vont être avec moi, ils vont choisir le type feu. Aucun problème à me faire. Ok, je vois la barre du petit feu qui réduit de plus en plus. T'y arrives ou pas, Kémy, dis-moi. Sinon je le fais vite fait en vrai. Attends, je crois que j'ai.
Tac. Je vois pas le sondage. Si c'est bon, sur Twitch et sur YouTube, ils y sont. Allez, vas-y, faites-moi. J'ai pas. Ah bon. Et ça marche comment d'ailleurs les shiny dans ce jeu? Est-ce que genre là il y a une chance que que mon starter il soit shiny ou pas? Est-ce que tu penses que je peux être ultra chatteux comme ça? Oh. Oh non, c'est rapide ça, c'est sympa. Parfait. Go la team feu. Ah non mais on est d'accord hein. Ils sont pas encore faits donc on doit que les talents. Oh ok. Ok. Go la team plante, attends. Putain t'as mis super longtemps le timer du sondage. Moi je trouve qu'ils sont sympas en vrai les starters. Hein. Et marrant. C'est de l'eau en fait qui lui fait ses vêtements. Oui j'ai une petite boule de feu avec un petit masque, il est trop sympa. On dirait la boule d'énergie feu en fait, je sais pas pour. Je crois que ça ressemble à ça. Genre dans les cartes TGC, vous savez. Et lui, c'est vrai qu'il fait marrer, hein. Parce que on dirait qu'il a, il a une tête en cœur, mais on peut dire aussi qu'il a une tête de cul en fait, tu vois. Genre... c'est vrai qu'il est cute. Je prends pas les couilles si c'est le plante qui gagne, on l'appelle tête de cul. Les indestructibles, leur bébé en version piaf. Ah, peut-être, je sais pas. En cœur, moi, je voyais. Je voyais une poire. Ouais, une poire. Oh, c'est une tête de cul, hein. Je suis désolé. Le feu ressemble à un poussifeu. Oh, non, pas vraiment. Je suis. Vite fait bof, hein. Tête de cul. Starter feu, mini-sange de type feu. Ouais, après, c'est vrai que ça ressemble surtout à un mini-sange. J'avoue que. Mais. Ouais, ça ressemble. C'est vrai que ça ressemble à un mini-ange de type feu. Après, c'est présange. Peut-être si. Tu sais, genre, c'est une variante. C'est pas forcément une. Tu sais, genre, c'est un peu comme. C'est pas comme. Putain, c'est. Comment ils s'appellent ces Pokémon-là qui nous ont fait le coup, là? Terra Cruel. Vous voyez? Tu sais, genre, c'est une ligne. C'est présange, mais. Enfin, c'est mini-ange, mais tu sais, genre, version feu. Vu le nom du Pokémon plante, c'est pas une tête de cul qui est censé ressembler, mais à autre chose. Attends, comment ça? Ça s'appelle Pinherbe. Non. Non. J'aurais dû ajouter la fonction multivote avec point de chaîne. Ainsi hop, plus de 100 points en plein. Bah, non, c'est bon. D'abord, c'est le type feu. Ça a l'air d'être le type feu. C'est le type feu, c'est parti. Let's go. Ah, j'aime bien son petit sprite. Comment on l'appelle? Je te vois venir, Akemi, n'achète pas de points, s'il te plaît. Mini-ange n'existait pas à l'époque de sa création. Ah, donc c'est Game Freak qui se sont... qui te l'ont volé. Ok. Ah, vous voulez qu'on l'appelle par le modérateur? Exactement, ces voleurs-là, les monstres. Pour lui faire honneur. Let's Sauve. J'arrive toujours pas à prononcer ton pseudo. Hein. Vas-y, on va l'appeler Let's Sauve, vas-y. Parfait, maintenant que tu as choisi ton premier Pokémon, j'aimerais te confier une mission. Je suis très pris de ces derniers temps, notamment dans l'élaboration de mon arène de type acier. Pourrais-tu remplir ceci pour moi? Le Pokédex. Ouais, tu profites de ton voyage pour m'aider dans mes recherches à capturer le plus de Pokémon possible. Chaque Pokémon que tu captures te verra ses données enregistrées dans le Pokédex. Bonne chance à toi. Et n'oublie pas d'aller voir ta mère avant de partir, et tu risques de ne pas la revoir avant longtemps, contrairement à moi. Comment t'as... Nassi du sel? Qu'est-ce que t'as voulu dire, Pika? c'est pas du tout ma maison, ça, je me suis trompé d'endroit. Madame, comment allez-vous? Madame, je... Moi, j'arrive pas à lui... Ah oui, c'est bon. Si tu veux cette aventure dans la route 1 sur Pokémon... Ah oui, non, mais c'est vrai que je l'ai déjà parlé en plus. Ok. J'espère que maman va vite me donner les... Ouais, ça bug. Bonsoir, Jadiska. Bonsoir à toi. Pourquoi ça bug?
Mais mes trucs, c'est de la merde, ça bug, hein. Merci en tout cas, bon, merci pour le follow. Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Putain, mais ouais, en plus, je l'ai. Y'a moyen de... Ah. Je peux pas relancer l'alerte, c'est chiant. Bonsoir. C'est la composition du chimique du ciel. Ah oui. Parce que bon, tu vas bientôt avoir 12 ans, donc faudrait peut-être te réveiller, quoi. Dans ce monde-là, la plupart des gamins partent de chez eux à 10 ans, donc bon. Je commençais à penser que tu t'étais un peu débile ou un truc du genre. Après, j'ai rien contre les débiles, hein, mais je suis pas une fauche chauve. Bref, parfait. Amuse-toi bien avec tes Pokémon, là. Allez, prends ça, cadeau de départ. Et ça aussi. Yes. Voilà, comme ça, si tu te fais courser par un Carpumain ou un Tauros, tu pourras t'enfuir aussi vite qu'un Ninjask. Parce que bon, j'aimerais pas que tu te fasses tuer, hein, sinon ce qui va payer ma retraite, putain. Déjà que je t'ai supporté pendant 12 ans, enfin bref. Ah oui, il faut appuyer sur X pour courir, hein, voilà. Allez, bon voyage. Voilà, Daron qui vraiment t'expédie. C'est ça, casse-toi. Va faire tes badges. Arrête de me péter les couilles. Et puis basta. Et puis j'ai... Il reste des choses à faire avant d'aller ici. Comment ça? Comment ça, il y a des choses encore à faire ici? Comment ça? Faut aller voir le professeur? Professeur? La mère des mamans. Ah ouais, non, clairement. Comment va ta mère? Ah, je rigole, bien sûr. Voyons voir. Où en est ton Pokédex? Et t'as vu un Pokémon et t'as attrapé un Pokémon? C'est pas incroyable tout ça? Allez, hop, hop, faut... les Pokémon vont pas se capturer tout seuls. Ah putain, c'est vrai, le rival! Oui, pardon! Oui! J'ai un peu oublié le rival. J'ai un peu oublié le rival, MDR. Faut dire aussi un mec qui te bully, bon. Pas incroyable, hein. Alors, les crêpes. Est-ce que je peux t'emprunter du lait? Ah, te voilà, moi qui pensais que tu allais te pisser dessus, jamais venir. non, dis pas que t'as fait présent. Je savais que tu prendrais le Pokémon Fleuve, la façon même, espèce de nulasse. Bah alors, on fait moins le malin maintenant, hein. Eh ouais, tu pensais qu'elle était meilleure que moi? Je vais te montrer. Je te provoque en duel. Alors, rendez-vous sur la route 1. Tu vas vraiment faire le malin. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, t'inquiète pas. C'est une rêve, ça. Enfin bref, je serai sur la. Je serai la route 1, donc. Enfin bref, je serai là, route 1, donc bah prépare-toi, quoi. Un peu du mal avec la diction. Il y a une Wii rouge. Pourquoi lui, il a une Wii rouge? Oh, sa mère qui... Sa mère, je suis sûr, elle le traite pas de nulos. Sa mère, elle a... Tu vois, genre, elle l'aime bien. Attends, la télé. C'est vrai qu'il est télé aussi, ou on détruit? Parce que nous, on était bloqués sur Sardoche et son stream de 14h. Suite à l'apparition d'un nouveau virus, la région de Hoenn doit être confinée pour une durée indéterminée. Nous pensons que cette épidémie correspond à la prolifération de Sablero dans la région. Les infos sont vraiment déprimantes. Ok, on sait maintenant la date de création de ce... de ce fangame. R.I.P.O.N. Ah, Tyranan qui commence à donner des conseils d'orthographe. Hop là, c'est parti pour le combat du rival. Si j'y arrive. Ah bah t'es venu, moi qui pensais que t'allais pleurer comme une tafiole. Allez, j'espère que t'es prêt. Tiens, pas pleurer après t'être fait anéantir. Oh, la musique. Ok, le HUD est un peu étrange. Oh, il a une ombre. Oh, c'est une petite couille. Okay, attaque, charge. What? Est-ce qu'il faut que j'appuie sur espace? Ok, ça dure 1000 ans. J'ai deux. Ok, les animations bug un tantinet. C'est attendu. Ok, ça y est, ça marche bien maintenant vu qu'elles ont été chargées. Incroyable. Ouh, il crasse face, il va défoncer la gueule, vu qu'il a fait des gros yeux. Et il dégage. Boum, le rival, qu'est-ce que tu vas faire face à ma petite couille? Oh putain, elle va partir celle-là. Me frappe pas. Bon, bah ça, c'est un prank, hein. Quelqu'un joue à ta place, c'est ça? Un as comme toi ne peut pas avoir gagné. Bon bah, je hais les cheaters, donc je me barre. De toute façon, j'entends pas les rageux. Allez, à plus, le news. À la prochaine fois, mais si tu triches, je te déglinguerai, ok? Incroyable. Hop là. Oh, il a laissé un truc. J'ai trouvé quelque chose, mais comme il vous. Hein, comme il a volé votre goûter à nombreuses reprises, vous décidez de ramasser sans rien. Yes! Je vais chourer les 6 Pokémon de départ. Tenter de le capturer, mais bon, tout le monde a joué au jeu et c'est comment capturer un Pokémon, merci. Merci, pas de tutoriel ou. Du moins pas un incroyable tutoriel. Voyons voir du coup notre truc sur la route 1. Ok. Oh, il a torche! Ah ouais! Ah ouais! Genre brasier, tu t'en bats les couilles. Brasier et tout, tu t'en bats les... Comment ça le Nuzlocke démarre? On joue vraiment au Nuzlocke? Oh putain, la galère. Putain, attends, il faut que j'aille me soigner du coup. Attends, mais ça veut dire que s'il est sur la route 1, j'ai pas le droit de capturer mon Pokémon sur la route 1.
T'as eu le talent caché, la chatte? Comment ça, j'ai eu le talent caché? Genre, normalement, il est censé avoir brasier? Premier degré? Tu te fous de ma gueule ou... Genre, il est pas censé? Ouais, il est... Ouais, j'ai chaté. Incroyable. Tu sais combien t'as mis de chance ou pas pour ça? T'as une faible chance d'avoir le talent caché. Je suis trop fort. Dans les prochaines secondes qui vont suivre, les gars, on va avoir un shiny, vous allez pas comprendre. Je peux pas me soigner, là? Putain, je pensais que c'était pour soigner, moi. La chance, perso, j'ai recommencé 5 fois et j'ai eu brasier. Lol. Bas les fesses. Trop puissant, le Jakku. Point faible, trop fort. Ouais, faut voir maman pour les soigner. Maman, je suis déjà revenu. Ah, en fait, j'appuie sur Z par rapport à une fille fusion. Alors qu'il faut pas. Hop, parfait. Parfait. Bon. Alors, du coup, sur la route 1, on a une autre starter, donc on peut pas capturer de Pokémon. Par contre, j'espère que le lag sur le combat va se répéter. Bah, ça se peut que, tu sais, genre, pour les... pour charger les attaques, peut-être. Ça fait ça. On va voir, hein. Ok, premier dresseur. Oh, il a un... Mais c'est quoi ce ratat... Un gerbon. Dégueulasse. C'est quoi ça? C'est quoi ses yeux? Ah, putain, tu vois, ça a un peu du mal. Les combats de début ont un peu de mal. Le Mimikyu qui part. Charge. Vas-y, tu peux le faire. Tu peux faire, Let's Love. Tu vas y arriver, Let's Love. Défonce-lui sa gerbille. Allez. Allez. Yes. Tu peux le faire. Oh putain, c'est 10 PV. On est bon. Allez. Boum. L'animation qui lag, j'ai jamais eu ça. Oulala. Oulala, oulala, effectivement. En vrai, capture en route 1, j'ai pas pensé au Nuzlocke, mais je ferai une zone pour le labo, je pense, du coup. Ah, yes. La triche est de notre côté, les gars. On peut faire la zone 1 en capture. Let's go. La potion. Parfait. Tout, 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 tout. Hop. Parfait. On se soigne. Hop là. J'adore le nom bourguignon, par contre, en toute honnêteté. Hein. Donc, attendez, route 1, on va voir ce qu'on peut trouver. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans les routes 1? La musique est sympa. Wow, on a un piaf! On a une team piaf. Il a intimidation. C'est fort. C'est pas mal. Pas mal, intimidation. Oh, on a Flamèche. J'aime bien les animations qui lag. Ok, midlife, parfait. Charge. Ouais, c'est un peu bugué de mon côté, malheureusement. Où sont les Pokéballs, du coup? Ok, on a Galivert. 1, 2, 3. Let's go! Ah, oh, elle est sympa, là. Sympa, sympa. Normal vol, ouais, c'est le piaf. Ces Pokémon arboricoles se servent de leur bec pour trouver des larves dans les écorces des arbres. Ah, comment on l'appelle? Essaye de relancer le jeu, peut-être, hein. On va essayer, ouais. Oh, qu'est-ce que j'ai fait, là? J'ai montré les FPS. J'ai fait quelle touche pour montrer? Comment j'ai fait ça? J'ai fait quelque... J'ai appuyé sur quelque chose que je devais pas. Je sais même pas me dire. T'es sérieux? T'es sérieux? Je crois que c'est fait quand j'ai fait slash shift M. Non, je sais pas. Je crois que t'as fait F. Non, j'ai écrit call me. Ah, c'est Y. C'est Y, les gars. C'est Y pour voir les FPS. Oh, le GPU FPS. 300. Bah les couilles, mon PC. La chanson, c'est Camille, Call Me Baby. Ouais, mais parce que comme il y avait Call, tu vois, j'avais envie de l'appeler Call Me Baby, du coup. C'était marrant. Hop là. Enfin oui, c'est... Moi, c'est pas... Non, attends, je réalise, c'est pas Baby, c'est Baby. C'est Call Me Baby. Appelle-moi chérie. Ok. Moi, j'ai appelé comme ça mon piaf. On va voir si on peut redémarrer le jeu, voir si ça répare le problème. Et de chance. Hop. Je vais arriver à trouver le bouton. Fais voir.
Ok, c'est un bruit de piaf, tout ce qui est plus normal. Doux de nature, très bien. Il a intimidation, très très fort. Ok, ok. Il a une augmentation d'attaque spéciale, c'est pas ouf ça. C'est pas ouf. C'est pas grave. Ok. Attendez, du coup, voyons voir. Sauvegarde, sauvegarde. Juste comme ça là. Ah ouais. Juste comme ça. Hop, quitter. Non. Y a pas de. Options, test du texte, fenêtre, gold, silver, red, blue, green, orange, purple, orange, gold, soul, silver. Ok, je sais pas ce que c'est. Ah, ça change après? What? Ah oui, non, pardon, ça descend. Volume 100%, monsieur combat, style combat, langage French. What, t'as mis Spanish? What, t'as mis English? Oh, le mec! Incroyable! Go jouer en espagnol! Joueur d'espagnol, ferme le jeu, hein. Qui sait, c'est pour quitter le menu. Ouais, ouais, on va fermer ça. Hop, on va relancer direct. Moi, ça se relance rapidement. Et voilà. Hop là, Pokémon Hub, et on est reparti. Ça se ferme rapidement, ça, c'est assez confortable. Ça, ok, du coup, continuons. Du coup, la route 1, c'est fait. Voyons derrière, je sais même pas si on va réussir à faire une arène ce soir. Non, si, quand même. On a déjà des herbes qui nous bloquent. Super. Ok. Adresseuse. Ouais, est-ce qu'il y a des shiny? Si oui, quelles sont les chances? En vrai, alors de ce qu'il a dit, normalement il y a les shiny. Mais c'est bugué. Enfin, il les a pas encore totalement fait, donc oui et non. Ils sont disponibles, mais il y a visiblement que l'étoile. Après, par contre, je sais pas pour le ratio. Ok, là ça. Ah bah non. C'est déjà un peu plus fluide. Au moins la flamèche, elle part toute seule. Ok, j'ai rien dit. J'ai parlé trop vite. Oh, c'est pas grave, on fera avec. La flamèche. Let's go. Ah, Calmy Baby n'a pas eu de... Pas eu d'XP. Hein. Y'a pas le multi-ex des nouvelles générations. Ça paraît logique. Combat de piaf. Vas-y, mon poulet est plus fort que ton poulet. Oh, il fait rugissement. Ça a baissé mon attaque. Hop. Hop. Ouais, c'est un lag de fou. Hop. Ok, on va switch. On va remettre Let's Save. Attaque, rugissement, attaque qui baisse, c'est pas grave, on a flamèche, ça dégage. J'aime bien vraiment comme il y a un délire entre les trucs. La flamèche, hop, parfait. Petit level 8, elle a perdu, Smiley pas content. Non, j'ai essayé de déflacer ma fenêtre, je vais voir si ça aide un peu. Résumé, on a eu une nouvelle attaque, non pas encore, c'est choisir, c'est déplacer, voilà parfait, hop, sac, on va arrêter de faire des demi-tours à la con, tac tac tac, la potion confirmée, hop là, parfait, oh, une Pokéball, qu'est-ce qu'on peut avoir, un antipara, on s'y attendait, hop. Donc je m'habitue aux touches. Attends! Qui est donc vous? Oh la musique! Salut! Moi c'est Miku, mais tu m'appelais Miku-chan. Il fait super giga beau, tu trouves pas? C'est vraiment super temps pour passer du temps avec nos copains les Pokémon. Ah là là, c'est vraiment trop super giga bien de partir à l'aventure pour découvrir plein de trucs et tout. Moi j'aime bien les Pokémon, surtout Pikachu, Dracaufeu et Lucario. Ah là là, ceux-là ils sont giga trop stylés. Et puis j'aime aussi les animés aussi, puis le Japon et puis les sushis. Des. Oh le giga cliché. Tu ne parles pas beaucoup, dis donc. Mais au fait, je ne t'ai pas demandé ton nom, alors comment tu t'appelles? Jaco? C'est vraiment trop kawaii des sous. Des sous. Je peux t'appeler Jaco-kun? Non. D'accord, ok, Jaco. Tu sais que j'ai reçu un Pokémon du professeur Drong, c'est vraiment giga génial les Pokémon. Oh mais je viens d'avoir une super méga GD idée, si on faisait un combat si tu veux. Allez c'est parti. Je présume que t'as pris Ah oui d'accord, c'est vraiment tu te caches pas de, de l'inspiration quoi. Vas-y flamèche. Défonce lui ta race. Ah là c'est super efficace. Le pinerbe il dégage. La tête de cul il dégage. Ma petite couille est plus forte. La couille bat le cul. C'est connu. Yo Bob, ça va et vous, ça baigne? Merci Amy, bonsoir à toi. Ah bah mince alors, j'ai perdu. Et toi? Tant pis, je gagnerai peut-être la prochaine fois. Au fait, juste derrière toi, c'est la ville d'Amietia. C'est là que je vais. Viens aussi, Jaco-kun, je te montrerai 2-3 trucs.
Incroyable. On a défoncé Miku-chan, les gars. Ah, Jaco, t'es là? Oui, j'ai fait deux pas. Bienvenue à Métia. Vas-y, Jaco, je vais te montrer. C'est parti. Oh, il y a déjà une arène. Ah non, c'est un centre Pokémon. Je suis trop con. Pour sauver ton équipe, je vais de parler à l'infirmière Joël, mais la madame en rose. Là, c'est le magasin. Ils vendent plein de trucs super étudiés, genre des Pokéballs et tout. Ok. Et là, tout là-haut, tu trouveras l'école des dresseurs. Tu devrais y passer, tu pourrais y apprendre des trucs. Au nord, il y a une ville avec une arène, il paraît. Tu veux que le cinéma, je peux pas vrai. Alors, c'est là que tu dois aller. Et voilà, c'est terminé. Je te conseille de commencer par le centre Pokémon. Ok. Bonjour. J'ai claqué ma potion pour rien. Mais pas vraiment, parce qu'il y avait quand même le combat contre Miku-chan. Bon. Ok, ça c'est fait. Bonjour. Ok, l'infirmière Joël. Ok. T'as quoi, toi? 1m80 minimum? Je sors pas avec des nains. Oui, je mesure 1,55. Et alors? On peut pas lui donner de crêpes à elle, c'est dommage. Pas encore développé. Ah. Oups. Mauvais endroit. Ça, c'est le shop, je présume. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Des Pokéballs. Ouais, putain, on a pas de thunes, hein. C'est incroyable. Merde, j'ai plus assez pour une potion. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Non, non, je fais rien. Très bien, il ne fait rien. Ça fait deux jours que j'attends, mais pas réussi. Ils m'ont dit, attends, on revient, donc je t'attends. Et ça commence à être... Ah, ça va être dur de t'annoncer quelque chose, mon grand. Oui, j'ai check les poubelles, on sait jamais. Là, il y a un vieux tout seul, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que j'aime l'air de cette ville? Très bien, il aime l'air de cette ville, tout va bien. Là, dans la maison, il y a quoi? Je connais pas, mais comme t'as l'air sympa, je te donne ça. Un antidote. Cool. Mon fils est vraiment quelqu'un de sympa, et toi, que t'es quelqu'un de sympa? Pas trop. Ah. Ah, du coup, il me parle plus. C'est trop bien. C'était trop cool. Ok, qu'est-ce qu'il y a à gauche? La route 19, je présume que c'est pour aller à la ligue. Route 18. Ok, là il y a un Pikachu. Cette aventure sur la route à gauche de ma maison, tu ne pourras pas aller au bout. Il paraît qu'il y a un désert immense derrière les montagnes. Ok. Un désert immense. Là il y a un musté... Ah non, ça recoule, pardon. Maman, qu'est-ce qu'on mange? Ah, très bien, il est impatient comme pas possible. Depuis que mon mari n'est plus au chômage, je dois m'occuper seul de mon fils. Ah, c'est triste la vie, hein. Sad. Sad, sad, sad. Qu'est-ce qu'on a là? On dirait que ce Rougoul tire quelque chose dans son bec. Ouah, lâche l'info. Un gros lozen, incroyable, piaf avec. L'autre jour, deux personnes bizarres sont allées coller des affiches de propagande sur certains poteaux. Les affiches sont initiales à les rejoindre encore des illuminés qui cherchent à faire parler d'eux. Ah. Ok. C'est l'exploration de fou, hein. T'as un problème? Non, j'ai pas un problème. C'est vraiment génial les films à la télé, qu'est-ce que tu regardes? Le 11... Oh non, 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 non. Non. Non, 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 non. Quel banc confortable, oui. Oui, il est magnifique, bon. Incroyable, si tu vas dans la caverne d'Améthyste, fais attention aux Pokémon sauvages qui traînent. Très bien. Bon, la petite, elle est en train de s'informer, hein, bien sûr. Là, il y a une grotte. Pokéball. Donc là, je pourrais avoir un Pokémon Roche. Pourrait nous servir, je sais pas de quel type est la reine. Ah, au secours, j'aurais peut-être pas dû aller plus loin. Dégage, toi. Ah, c'est Miku. Ah, Jaco. C'est toi, c'était bizarre, ils ont volé mon petit Pikawai. Faut absolument que je le récupère, tu veux bien m'aider? Oui. Super, merci, vite, il ne doit pas être très loin. Demandons autour de nous, je pars devant, Jaco. Zut. Mais moi, je m'en fous, hein, je... Ah, pas très bien, ok, non, j'ai pas le droit. Moi, je voulais m'en faire... Enfin, je voulais pas m'en intéresser, je voulais juste aller chercher des Pokémon. C'est quoi ça, cet endroit? École de dresseur. Ah, ok. Y'a quoi comme objet, là? C'était Roflé. Hey, toi! Oui, toi, monsieur, là, le truc que tu viens de ramasser par terre, c'est une capsule technique. Ça permet d'apprendre des attaques à tes Pokémon, enfin, je crois. Sinon, quelqu'un pourrait me faire descendre, ça fait 7 jours que je suis ici. C'est justement ce que j'allais dire, j'étais en mode, le mec, il est juste là en train d'attendre pour un gars lui donner une CT. Toi, là, t'as l'air bazar, mais je suis encore plus, car je suis le premier de ma classe. Personne ne peut me battre. Tu relèves le défi? Bof. Je vois, t'as peur, hein, c'est normal, hein, je ferai pareil à ta place. Oui. Bonsoir, Empire. Bonsoir Jaco, je voulais te demander si c'est une découverte ou si tu comptes en faire un let's play. Alors c'est une découverte parce que le jeu est en démo, il n'est pas fini finito. Mais quand il le sera, potentiellement que oui, on en fera un let's play à part entière, ça pourrait être sympa. Là ce soir on le teste, voilà, pour le fun, pour voir où est-ce qu'il en est dans son taf. Et pour l'instant honnêtement c'est assez qualitatif, hein, faut le dire. C'est assez stylé, hein.
Franchement, le taf, il est bien bien fait. Hein. C'est assez beau. Hein. Mais on verra quand ça sera bien fini. Ça va nickel en vrai, Empire. Juste un peu un truc dans le, de travers, mais ça va. Oh, ton brisage, j'en ai en pleine forme. Moi, je pratique régulièrement la marche pour rester également en pleine forme. Ok. Faut que je demande à qui. Faut que je demande à qui pour Miku-chan là. Parce qu'on est allé un peu à l'école des dresseurs. Le mec là sur son banc, il a rien vu. On attend toujours le zéro mort. Ah mais oui, non mais t'inquiète. En vrai, c'est logique où ils, par où ils sont passés. La roue 18? Ah, la roue 19? Non. Bonsoir Fexa, ça fait un moment, bonsoir à toi. Attends. Non mais, quand tu les as croisés... Oui. Bah tout droit du coup. Ils sont revenus en arrière? Non. J'étais là lundi. Oui. Et peut-être. Bah ils sont passés devant un mec. Oui. Ah oui. Oui je les ai vus, ils sont allés dans la caverne. Ah. Ah. Oui non mais la logique m'échappe hein. Mais t'as capté aucun de mes attristes. Désolé fait que ça. Attends là il y a un objet caché. Non j'aurais cru. Bonsoir Mecha, bonsoir à toi. Caverne à métis. Ok. Quel genre de Pokémon sauvage on va croiser? Waouh. Eh hey, on regarde l'autre là. D'où il nous suit? Faut dire qu'aller dans une grotte en plein milieu de ville, on a vu mieux comme idée. Eh ça va hein. Moi aussi j'essaye des trucs. Ouais bah si c'est pour poser des trucs aussi débiles, tu peux le faire la prochaine fois. Bah moi, mais qui elle est celle-là? Ouais par contre on a un souci là, je te rappelle qu'on nous a trouvé. Ouais on nous a pas dit ce qu'on devait faire dans ce cas. Bon bah regarde dans le manuel. Ah bah ouais je vais regarder. Alors, voler le Pokémon, ça c'est fait. Dire que c'est pour son bien, bon bah ça c'est une évidence, évidemment. Et ah voilà, en cas de rencontre forcée avec un dresseur adverse, affronter le dresseur. Ah voilà donc faut qu'on l'affronte le Dalagling. Allez on se casse. Puis on se casse, voilà, voilà, c'est fait. Hé, hey, vous! Rendez-moi mon petit Big Pika Hawaii! Puis vous êtes qui d'ailleurs? Qui nous sommes? Ah, on est la team machin toxique! Oui! Enfin, on est des sbires quoi! Ouais, et on est des sbires! Et t'es mal tombé ma petite! Parce qu'on va te montrer de ce qui se passe quand on nous cherche des noises aux adultes! Ah! Il n'y a même pas peur, je. Enfin, Jaco va vous éclater! Allez, Jaco! Bon allez, c'est pas tout, mais on a pas de temps, ouais. On a pas de temps à perdre. Salut, tu joues plus à Pokémon Infusion, je crois savoir pourquoi. Non, si, ce qui tire, on reprend vendredi, mais là, c'est un bonus. C'est bonus Gagus, on découvre une petite ROM. Un Oceraptil. Voyons voir. Oh, il est déjà level 7. J'aurais dû XP. Ok, c'est bon, je le mets mis de live, j'ai rien dit. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il est brûlé, la chatte. Ultrason qui part, je suis confus. La brûlure, il peut rien faire. C'est dans ta tête, let's solve. Ouais, let's go. Easy. On veut voir l'évolution de let's solve. Ah, il s'est fait battre par gauche. Bon, allez, je vais te montrer ce que c'est un vrai dresseur. J'espère qu'elle m'a soigné, Miku, hein, qu'elle sert pas à rien. Wouah, c'est quoi ce truc? C'est un fripoun. C'est adorable. C'est quoi ce truc? Oh merde, il a augmenté son attaque, le con. Hop là, la brûlure. Enfin, la flamèche plutôt. Le grondement. Ok, il s'est mis à plus de 2 en attaque. Ça pue. Je peux voir la brûlure. Merde, ok, ok. Oh, je suis plus rapide. Oh, ça t'a servi à rien. Coup critique. Nul à chier, le fripoun. Ça dégage, t'es mal à taille du rat. Incroyable. Avec comment? Mais toi, t'as perdu, mais il est super fort. On fait quoi? On fait quoi? Vite, le manuel, le manuel. Qu'est-ce que tu racontes là? On se barre, idiot! Ah oui, oui, bonne idée. J'étais à l'œil, hein. Ah, Pika Wai, tu n'as rien? Pika. Merci beaucoup, Jaco. Oh, bon, allez, je retourne sur la route 2 du coup, hein. A plus! Good ending, let's go. Ok, on a défoncé les ripoux. Est-ce que je peux avoir un Pokémon de zone du coup, moi, dans cette magnifique grotte? Ah! Merde. Bon, bah, c'est. Merde, bon bah, un Oceraptil. Bon. Un Oceraptil, les amis. Un Oceraptil. Coup critique, dégâts supplémentaires. Easy.
Oui, retour. Comment je l'appelle, la petite chauve-souris? Je crois que ce pseudo a déjà été donné. Hein. Oups. Chauve qui peut. Comment on va l'appeler notre petit Nosferatu petit là? Tournesol. Bad kawaiiné. Ok, pour Miku-chan. Putain, je sais pas comment elle écrirait ça, kawaiiné. Je m'en bats les couilles, c'est pas grave. Vas-y, c'est bad kawaiiné. Oh, j'ai augmenté la vitesse. Merde. J'ai augmenté la vitesse de l'accélérateur, je sais pas comment j'ai fait. Ouah, c'est quoi ce truc? C'est un bicaillou. Incroyable. J'ai augmenté l'accélérateur de fou. Incroyable. Et nous, c'est reptile. Hop là. Bon bah maintenant, on va Mach 20. Je sais même pas quelle touche on a appuyé. Tu découvres des touches de PSX, je sais même pas comment tu fais. Wouah, le mec! La vitesse du gars! What? Là, j'ai appuyé sur B. Là, c'est V. Ok. Ok. Ouais, t'auras peut-être plus de lag. Hein. Bon, mon chat, il appuie sur des touches sur mon PC, il fait des trucs que je sais pas toujours faire. Ok. Ouais, parce que j'ai essayé de retaper Bad Kawaiiné, ça a rien fait. Je sais pas du tout comment est-ce que j'ai fait pour avoir H, O. Ah, c'était U. U. J'ai trouvé, c'est U. C'est quand on a écrit chauve qui peut. Ok, d'un coup, je peux accélérer le truc. Ok. Ok, bon, savoir. Let's go. Ok, ok. Donc, monte en haut. Route 2. Hop, 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 hop. Ouais, hop, 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 hop. Ferme ta gueule. Bah alors, le niveau, ça avance, ta petite aventure? Ouais, non, mais toi, en fait, ça m'intéresse pas. Si je suis venu, c'est plutôt voir un autre truc. Dis donc, est-ce que t'as dit sur ma mère l'autre jour, là? Tu croyais que je le saurais pas? Ouais, bon, ok, ça, t'as rien dit sur ma mère. C'était juste pour tester, hein. Enfin, bref, je m'en fous de tout ça. Tout ce que je veux, c'est éclater. Wesh! Wesh, comment ça, il y a un autre combat contre le rival? Merde! Mais je veux juste capturer des Pokémon, bordel de merde, laissez-moi en paix! Il y a intimidation. Vas-y, Flamèche, t'es sur level 7. Hop là. Est-ce qu'on peut changer la configuration des touches? J'ai pas l'impression que ça soit encore un truc qu'il peut faire. Flamèche. La brûlure là. Putain. Putain, ça dégage. Là, je suis dans la merde par contre pour le. Ok. Oh, on a pris pic-pic, let's go. Ok, écusson. Putain, Bad Kawaiiné. Est-ce que Bad Kawaiiné... Putain, t'as que vampirisme, trou du cul. Gros yeux. Ah, je voulais... Ok, j'aurais peut-être dû faire attention parce que je pensais qu'il avait une attaque de type poison pour l'empoisonner, mais non. Ok, gros yeux, ma défense baisse. On va tenter pic-pic. Bouffe. Oh putain, ça fait zéro dégâts. Écume. Oh putain. Ok. Ok, je suis dans la merde puissance 1000. Vas-y, charge. Le crit. Putain, ça a pas crit. Oh putain, 3 PV. Je vitesse baissée. Merde. Merde. Va falloir sacrifier quelqu'un. Bad Kawaiiné, fonce. Bad Kawaiiné, t'es wakawaii. Oh putain, bon, Ok, Bad Kawaiiné, va falloir crever. Je suis désolé, Bad Kawaiiné. Au revoir, ma petite chauve-souris. C'est pas grave. Takari. Takari de fou. Vas-y, charge. Le crit. Ok, on tank 2. On tank 2. On est plus rapide. Pas la vitesse d'attaque. Charge. Oh, let's go. Let's up. Let's go. On a sacrifié Bad Kawaiiné, mais ça passe. Et oui.
On est meilleur. On est juste meilleur. Oh, tu commences sérieusement à me gonfler avec avec ta triche là, hein. Je suis le futur meilleur dresseur de l'univers, ok? Tu peux pas me battre. Allez, je me casse, tu dégages maintenant. Oui, oh, il me pousse. Oh la vache. Son nom est plus marquant que le Pokémon. Let's go. On est trop fort. On a perdu un mort, mais c'est pas grave, on survit, c'est le plus important. Allez hop, c'est le moment de dire au revoir à Bad Kawaine. Déjà. Merde, je suis tombé de bouton. Hop là, parfait. Ok, on va voir ce qu'on peut capturer. On va capturer sur l'arbre 19. Putain, il faudrait peut-être que je me soigne. Je sais pas si je me suis soigné. On va capturer un Pokémon à gauche de la ville. La première arène, c'est dans le nord, on est d'accord, hein. Normalement, j'ai ce qu'ils font en Pokéball. Vas-y, on peut avoir des nouveaux Pokémon. Route 19, là, on va avoir un bon truc, là, je sens. On va avoir une croquette, là, je sens. Vas-y, vous êtes prêts? Un petit Nixi, intimidation! Full team intimidation, incroyable! Est-ce que ça rentre? Pokéball. Est-ce que ça rentre? Trop facile. Trop facile, le petit Chacha. Hop là, comment je vais l'appeler, ce petit Lixi? Éclaire-moi. J'avais oublié de valider le truc sur le YouTube. Toutou kawaii, j'arrête. Flash, Lixui, Sparky-chan. Vous êtes sur un full time, Miku-chan serait fier de vous, les gars. Lixui, c'est mignon. Vas-y, on va l'appeler Lixui, parce qu'il a une bonne bouille. Vas-y. Bon, il faudrait peut-être essayer d'entraîner les Pokémon. Oui, pardon, j'appuie sur U. Faudrait peut-être essayer d'entraîner les Pokémon, slash les... ne pas les suicider, hein. Je pense que ce serait une bonne idée. Hop, fais voir. Ok, il a pas de... Ok, il est à charge, let's go. Bon, hop, déplacé. Du coup, avec U, ça règle les lags, hein. Bah, entre guillemets, oui, c'est ça lag, je peux appuyer juste sur U. Ok, il y a des dresseurs sur la gauche. Mais du coup, on peut pas aller plus loin. Fais voir. Ok, un passe rouge. Intimidation. Ah, mais je suis pas de type électrique. Des charges. Rugissement. Laissez mon attaque, sans foirer. D'ailleurs, t'es pas allé dans l'école de dresseur, hein. Ah, il faut qu'on y aille, c'est vrai. Rugissement. Charge. Putain, on fait zéro dégâts maintenant. Bien joué. Charge. Putain, on le défonçait pourtant, c'est triste. Non, mais on peut le faire. Il a fait un coup critique, let's go. Ah. Ok, lui aussi, il a fait un coup critique. C'est pas cool. C'est pas cool. On allait gagner tout seul. Hop là, Flamèche. Il dégage, let's go. Petit level 11. Hop là. Tac. On va juste aller soigner. On va aller faire. On va voir. On va voir l'école des dresseurs. Hop là, parfait. Hop là, X pour courir, parfait. Hop là, l'école des dresseurs. Voyons voir. Alors bonjour. Jean-Kevin est encore... Attends, quoi? Encore, il était collé. Ouais, Jean-Kevin, il se fait coller. L'école, c'est vraiment trop bien. Oui. Salut, monsieur. T'as l'air balèze. Y'a Jean-Eude, le meilleur de notre glace, qui veut défier quelqu'un de la balèze. Il est dans la... Et sans faire exprès, moi j'ai renommé mon rival Jean-Kevin, PTDR. Quiz, t'as bien lu ce qui était écrit au tableau? Non. Bah alors tu peux pas participer au quiz. Alors attends, le statut. La paralysie, un Pokémon paralysé verra sa vitesse diminuer de moitié et aura 25% de chance de rater une attaque chaque tour. Néanmoins, certains Pokémon sont immunisés contre la paralysie comme les Pokémon de type électrique. Le sommeil, un Pokémon endormi sera dans la capacité d'attaquer pendant un nombre de tours incompris entre 1 ou 3. Pokémon brûlé perd 6% de ses PV à la fin de chaque tour et voit son attaque diminuer de moitié. Empoisonnement, un Pokémon empoisonné perd 12% de ses points de vie à la fin de chaque tour. Tant qu'il existe aussi le poison grave, un Pokémon gravement empoisonné perdra plus en plus de PV à la fin du tour. Un Pokémon gelé ne peut pas attaquer, à la fin de chaque tour il a 20% de chance d'être gelé, ce statut est assez rare, bien que puissant. Ok. Très bien. Alors, première question. Que fait
l'empoisonnement. Il réduit les PV en fin de tour. Let's go. Deuxième question. Que fait la brûlure? En plus de diminuer les PV à la fin de chaque tour, elle divise l'attaque par 2. Dernière question. Quel type est faible face au type plante? Ah merde! Le feu? J'ai pris dans le mauvais sens la question, c'est ça? C'est-à-dire que même pour la blague, je me suis foiré et je... Je suis nul en table des types, les gars. Je suis nul. Le type O, du coup. Oui, let's go! Deluxe Ball, incroyable! Tiens, ah, certains Pokémon évoluent par bonheur, comme Nosferatu, donc ça peut être très pratique. PTDR, Nosferatu, tu parles de mon Pokémon qui a décédé. T'as reconnu la musique de l'école? Putain, ça me dit quelque chose, mais en même temps, j'arrive pas à reconnaître. Putain, c'est quoi? Ce que je fais là, bah, tu vois pas, ouais, je suis collé, hein. Allez, casse. Ah ouais! Ah ouais! Jean-Kevin, ton langage! Ah putain, mais il y a deux Jean-Kevin en fait! I play Pokémon Go. Ah putain, la ref! C'est bon, tranquille, madame, je m'entraîne juste pour le nap. Tu causais rien, c'est un truc qu'il faut connaître, madame. On se connaît pas, on se la ferme, madame. Très bien, tu vas gagner une belle heure de colge. Vas-y, là, j'ai rien fait. Derrière, il y a deux Jean-Kevin en fait. Ah, tu viens aussi étudier les Pokémon? Alors, pense aussi, Super Bowl. Let's go! Ah, c'est iPlay Pokémon. Putain, comment t'as fait pour retourner pour trouver ça? Incroyable, bien joué à toi. Vas-y, on va affronter lui. Genre eux de là. Premier de la classe. Le nerd. Ok, voyons voir. On voit un Milko. What the f... C'est une fusion entre le... Zébibron et Crémeux, en fait. Oh, il est level 7. La dinguerie. Ok, vas-y, on va envoyer Let's Off. Mimikyu. On va baisser ma défense. La mèche. Parfait. Mimikyu. Flamèche. Let's go, ça se défonce. Charge. C'est bon. On tank tranquille. Flamèche. Et oh, il dégage. Let's go. C'est level 5 pour l'X. Level 6. Zut, il a pas gagné d'attaque. Pensez Pokéball. A plus. Merci, allez, ciao. Allez, moi les Pokéball. Mec de fond, il a abusé. Hop là. Ok, bah du coup on a fait... Est-ce qu'il faut que je continue à gauche? Est-ce que ça vaut le coup de continuer à gauche? En vrai, tu vas me dire pour l'XP, hein. Pour l'XP, il faut aller à gauche. Sinon, il faut aller en haut pour la suite de l'histoire. Faut qu'on se prépare pour la première reine, en fait, en soi, hein. Donc autant aller XP à gauche. Espérons qu'on perde pas de Pokémon bêtement. Au 19. Hop là. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, la police! Désolé, il y a eu un éboulement dans la caverne, on pourrait donc pas entrer. Ah! Zut. Madame, bonjour. Moi, j'ai pas eu ton regard à Guichard, c'est clairement du harcèlement de la route. Ah! Bah désolé, madame, c'était pas voulu, croyez-moi. Voilà, son propre Alexis. Mais le mien, il a intimidation, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, elle a aussi intimidation, très bien. J'ai pas obtenu éclair. Non, j'ai gros yeux. Vas-y, charge. Hop là. Gros yeux. J'ai ma défense qui baisse, j'ai mon attaque qui baisse, je sers à rien du tout. Ok, j'ai même... Ouais, tu sais quoi, vas-y, je vais switch. Ça sert à rien, ça sert à rien de lutter. Je fais trop baisser là. Ouais, parfait. La mèche. Oh, mais il dégage déjà. Oh, le nul. Vas-y, on va renvoyer l'Xouille. J'aurais peut-être entraîné aussi l'autre piaf, hein, c'est vrai que je... Bon, d'abord lui. Vas-y, charge. Parfait, rugissement. Fait zéro dégâts. Ouais, oui. Arrêtez de passer mon attaque là, SVP! Laissez-moi jouer! Riff. Vas-y, coup critique! Allez, la charge là! Défonce-le! 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 Putain! C'est long, sa mère! Mets un coup crit! Sérieusement? J'ai pas vive attaque, moi encore. Hein. Allez! Allez, yes! Let's go! Level 7! On y arrive! Tu te battes comme une femme, quoi? Madame, arrête de me harceler, STP. Ok, d'accord. Elle a pas envie, la madame. Hop là, on va mettre le piaf devant.
Oh putain, j'ai toujours l'accélérateur. Ça surprend, hein, ça surprend de fou. Oh, il y a un mec, il a un bateau. What the fuck? Ok. Et là, il y a des objets pour les montagnes. Ok. C'est quoi cette zone de dingue? Ok. Allez, affronter le rival, le mec. À gauche, l'XP en haut, histoire. À droite, blague sur la poétique. Quoi? Ok. Ok, le caillou. Le caillou, il nous met mal, par contre, parce qu'on est, on est super faible là, face à lui. Hein. Il a une de ses gueules, je sais même pas à quoi il ressemble. C'est censé être un sap... C'est censé être quoi? Des flamèches. Il se fait pas beaucoup de dégâts. Oh, la brûlure, let's go. Exactement ce qu'il nous fallait. Hein. Bon, comme ça, il fera pas beaucoup de dégâts. Parfait, la brûlure. Charge, il fait zéro dégâts. Parfait. Il est brûlé. La flamèche, ça dégage. Let's go. Call me baby, voilà, level 5. On est bien. On est bien. Tu vas y arriver, Jaco. Tu vas y arriver, arrête avec l'accélérateur. Tout va bien. Super Bowl. Parfait. On aurait eu quoi d'autre sur cette zone, à part Alexis? Ah ben, un Pichu. Un Pichu, tout ce qui est le plus normal. Tac. On n'a pas réussi à fuir. Ah! Ah! Le piaf qui est trop lent! Le piaf qui est nul! Le karma! je sais pas du tout, je pourrais pas te répondre, Sofiane, de quoi tu parles. Hop là, la fuite. Tac, 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 tac. Je suis comment niveau santé en vrai? Est-ce qu'au pire, une petite potion? Petite potion là, ça ferait du bien là, non? Ah, mais j'en ai plus. Ok, bon, c'est pas grave. Une connerie d'y aller sans potion, mais c'est pas grave. J'y crois. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Oh, il sort un chenipan. Ok, c'est ton moment, le piaf. C'est ton moment, mais t'as pas d'attaque ball, ça craint. T'as pas de pic-pic? C'est quand que t'as pic-pic là? Game over incoming. Non! Voilà, la sécrétion qui est due. La dinguerie de l'animation de sécrétion. Vas-y, charge. Ah, c'est la vitesse qui baisse, c'est pas grave. On n'a pas besoin de notre vitesse, la vitesse est surfaite. Ah, il a fait charge, il a osé me toucher. Vas-y, meurs. Meurs là. Allez, crise acier maintenant, charge. Putain, mais j'ai toujours pas d'attaque vol. Putain, ouais, ça va durer 1000 ans s'il fait armure. Oh putain, ça. Oui, ça va durer 1000 ans, hein. Ça va durer longtemps. À moins que je fasse un crit à un moment ou à un autre. Voilà, le armure. Le armure, il donne... Le chrysacier, il donne tout ce qu'il a. Hein. Combat de l'éternité. Allez, plus qu'un coup. Plus qu'un coup. Allez, let's go. Donne-moi pic-pic. Oh, level 7. Pic-pic, let's go. Let's go, on est imbattable, on a pic-pic. Hop là, on a pic-pic, let's go. Parfait. Hop. Hop là, on est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ce bateau peut bien faire ici? Bah, je me le demande, papy. On se le demande tous. Hop là, on run. Il y a juste une dresseuse qui est là. Et le Lixi. Intimidation. Avec ta like, forcément. Double intimidation. La fuite. La fuite est bon. Parfait. Hop là, la dernière dresseuse. La dernière dresseuse de cette route avant qu'on puisse continuer en haut. Let's go. Hop là, fais voir. Kunotor, oh mon dieu. Elle a un Kunotor, les gens. Ça va être compliqué, hein. Hop là, pic-pic. Ah, tout de suite, c'est déjà un peu plus intéressant, là, quand on a le stab. Au moins, tu veux dire, j'avais déjà le stab, hein. Le jeu a l'air bien. Le jeu est bien, hein. Il est téléchargeable sur le Discord. Voilà. Et on a le modérateur, on a... Emmy, je sais pas si on te l'a dit, mais... On a le créateur dans le chat. C'est Let's Solve. Dont il porte le nom du starter, c'est ça qui est drôle. Ok, le Nidoran, on va lui défoncer sa mère, lui aussi. Voilà, pipic. Je fais zéro dégâts, c'est incroyable, hein. Mon piaf, il a du mal, hein. Gros yeux. Tu vas y arriver. Ah! Il va pas y arriver. Il va pas y arriver. Il va pas y arriver. Jamais comme d'un coup, il se fait défoncer, sa gueule. Jamais comme tout va bien. Et d'un coup, tout va plus bien. Allez, ça déquille. Putain, il était compliqué à tuer le Nidoran. Et level 8, parfait. Tout ça pour avoir Vantardise. Et ben, ok. Tout ça pour Vantardise, très bien. Parfait. Et ben, allons nous soigner. Et allons continuer.
sais pas quel level doit m'attendre pour l'arène, mais j'estime qu'on est pas loin d'y arriver facile. Hop là, parfait. Hop là, parfait. À bientôt. T'as le time pour l'arène, hein, t'es gâté. Comment ça? Comment ça? Elle est dans combien de temps l'arène? Route 2. Nouvelle zone. Oh putain, mais ça se finit jamais. Ça se finit jamais. Attends, là je peux aller sur la gauche. Et là je peux aller sur la droite. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'il a avec son passé lui? Dans 2 heures. Oh là, effet fusion, c'est fini. Je regarderai toujours en l'heure qui a redit. Non, Red Shiro, on reprend vendredi comme d'habitude. Tout ça, Infinity Fusion et tout, c'est le let's play en cours. Là, c'est juste pour le fun. On teste une ROM. Ce qu'on me l'a demandé. Donc on se kiffe, on se fait un kiff. Vas-y, Mimikyu. Ça baisse quoi ma défense? Ah ouais, donc à tout moment, il me fait super mal. Fais voir, charge. Ah ouais, il m'a bien descendu ma défense. Oups. Hop là, changé. On envoie le starter. La flamèche. Let's go! Petit level 12 là. Incroyable. Je sais pas à quel level ils évoluent le starter, mais on va vite être fixé, je pense. Est-ce que t'as déjà fait Pokémon Clover? Oui, j'ai déjà fait Pokémon Clover. Et je sais ce que c'est Pokémon Clover. C'est pas les. Enfin, je peux pas faire ça sur YouTube. C'est compliqué. Oh la vache. Oh le truc. Ok, vas-y, pique pique. Ah, putain, j'ai pas fait gaffe, mais je suis super low, sa mère. Ah, je vais remettre Let's Off tout de suite. Hein. Rondement. Vas-y, flamèche. Vas-y, on va les défoncer. Hein. Petite griffe. Hop là. Let's go. Petit level 9. Ça monte, ça monte. La potion, let's go. Là, il y a un item. Hein. Ah merde, c'est le Pokémon de zone. Pokémon de zone. C'est pas mal. Pas mal, un Nidorinan, c'est pas grave, c'est pas mal. Franchement, on peut faire des choses bien avec ça. Nidoking, c'est propre. L'enfoiré. Gros yeux. Le problème, c'est que je me bats toujours avec un Pokémon qui est très low HP. Franchement, il est sympa, hein, le fangame, il se joue tout seul. Hein. Honnêtement, ça se joue bien tout seul, c'est assez sympa, les musiques sont assez cool. Le HUD, ça va, c'est assez propre. Les décors sont vraiment beaux. Franchement, beau taf, hein. Beau taf. Ok, un petit Nidoran. Bon, je vais l'appeler. C'est un Pokémon excellent de Nuzlocke, Nidoking. Ah ouais, non, c'est... Bon, le problème, c'est qu'on n'aura pas le temps d'avoir un Nidoking, à moins qu'on ait une Pierre Lune dans pas longtemps. Mais ouais, non, c'est excellent. Toxinette. On peut l'appeler Twitch. Toxinette. On est que sur des mignons tout pipou, tout chou. C'est trop mignon. Regardez ça. Lixui, Toxinette. C'est Pipou. On a une team Pipou. Y'a pas d'objet là? Oh, déception. Oui, je profite de l'accélérateur. Je vais aller au centre Pokémon. Hop là. Doudoudou. Incroyable. Oui. Ah, dégage. Oui. Comme une baby. Et en français, il va sortir un fangame de Pokémon XZ et YZ. Fin décembre 2024, j'allais dire, c'est tout. Putain, il y a l'air d'avoir des trucs stylés de fou, effectivement, qui se préparent hein, dans le domaine de Pokémon. Faudrait que j'y jette un œil plus intéressé. Bonjour. J'ai pas le temps de lire ce qu'ils disent. Mais visiblement, il était célèbre. Jean-Raoul. Incroyable. Wouah, c'est quoi ça? C'est quoi? Un bébé cire. Il est mort, là. Incroyable, il est mort si fort. Ouah, et ça aussi, c'est quoi? Bah, c'est mort aussi. Incroyable, les petits insectes qui sont balancés et qui sont picorés le cul par mon piaf. Magnifique. J'ai aimé. J'ai aimé. Hop, pic-pic, ça dégage. Hop là, petit level 10. La vive attaque qui est apprise, parfait. Parfait. Une repousse, très bien. Et là, à gauche. C'est inspiré de Mimigar, hein. Ouais, j'ai l'impression, hein. Ok, toi, on en a plus besoin. Tac. Ah oui, il y a bien un objet là, parfait. D'ailleurs, attends, est-ce qu'on a regardé?
type la toxinette. Point poison, parfait. C'est... On n'en demandait pas plus. Point poison, c'est excellent comme talent. Hop hop hop, là. Un réveil. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'aime bien la structure des routes pour l'instant. C'est je sais pas. Je trouve ça réel, si je pourrais dire comme ça. Tu vois, le fait que... Tu vois ce que je veux dire? Genre, la manière dont il a agencé les trucs, enfin, c'est sympa. Ouais, non, non, franchement, bien, bien joué, hein. Franchement, je trouve ça assez sympa. Oh, un combat double. Putain, on va se faire péter la gueule. J'ai l'Xouille. Ok, ça le fait. Vas-y, ça le fait. Ça le fait. Avec l'Xouille et Call Me Baby, ça le fait. C'est un peu comme la 5G. Ouais. C'est assez sympa. Hop là, qu'est-ce qu'elles ont? Ok. Les Pokémon sont bien plus mignons que les tiens. Oh, double intimidation. Vous pouvez même pas attaquer sur le physique. N'essayez même pas, les gars. Double intimidation, vous pouvez rien faire. Allez, pic-pic. Efficace. Charge. Efficace. Let's go. Bouffe. Ok. Mimique. Ah, je viens de remarquer que ça dit efficace et pas très efficace, PTDR. Hop là, encore. Ok, bah de toute façon, c'est ce qu'on voulait. Hop là, pic-pic. Ah merde, ça m'a fait... Ça a perdu le... Ok, bon, c'est pas grave. Ok. Charge. Ah merde. Merde, la paralysie. Le charme. Attaque qui bêche. Jamais réussir à s'en débarrasser, hein. La berceuse. Hop là, sur le mélo. Allez, tu peux le faire comme Mi Baby. Oui, il est mort. Voilà, écrase-face. Reste plus que le mélo, on le défonce. Voilà, l'équipe, on est là. On est là, 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 on est là. Let's go. Petit level 8. Incroyable. Premier combat, c'est doublé. C'est, double, c'est toujours les jumelles dans tous les jeux Pokémon, oui. Oui, c'est toujours elle qui se coltine le sale boulot. Là, il y a un mec qui nous attend en turfu. Peut-être déplacer le... Hop, la Lixouille. Voyons voir. Ok. Oh, dommage, j'ai pas éclair. J'ai pas encore éclair, zut. Vas-y, défonce-le, là. Que tu le défonces. Précision qui baisse. Ok, la charge, c'est pas mal. J'ai de sable. Oh, il a raté. Charge. On le défonce. Vas-y, tu peux le faire, j'ai confiance. Tu vas rater, mais c'est pas... Ah! Oui, non, mais si il commence à faire des crits, ça va pas le faire. Eglarz est niveau 9. Ah, merde. Oui, vous noterez qu'à chaque fois que je dis que mon Pokémon peut le tabasser, il se prend un crit derrière. Vous aurez remarqué, hein. Un Calivert. C'est bon, on va envoyer Toxinette. Hop là. Et on va envoyer Let's Sauve. Vas-y. Hop là. La Flamèche. Parfait. Coup critique, dégâts supplémentaires, bien évidemment. Hop là, il dégage. Easy. Presque level 6. Ok. Je voudrais que je m'en bats les couilles des dés. Ah, et on est à l'esquin. Jaco, il se passe un truc vraiment bizarre là-bas, je crois. Allons voir. Eh bien, allons voir. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, regarde là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah bah la monarchie, ah bah la monarchie, ah bah la monarchie. Oh non, on dirait que c'est une manifestation d'étudiants. Vous deux. Nous? Oui, vous. Bah quoi? Je m'appelle Patrick et je suis un manifestant. Nous sommes venus manifester pour revendiquer nos droits. Le maire de notre ville est un facho qui refuse de laisser leur liberté aux Pokémon. C'est intolérable. Nous ne sommes plus au 20e siècle, il me semble. Vas-y toi, raconte-leur. Ah bah le fascisme! J'ai simplement laissé mon Freepoon se balader dehors 5 minutes, il a été arrêté par la police, ou devrais-je dire la milice de monsieur le dictateur! Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous sommes venus manifester contre l'oppression du fascisme orchestré par monsieur l'esquin, notre maire! Voulez-vous nous joindre à vous? Non! Pardon? Vous ne voulez pas vous joindre à nous? Vous êtes contre les droits des Pokémon, serez-vous des fascistes? Des noms que nous rejoignons. Laissez-moi en dehors de vous. C'est moi. Juste tuer des Pokémon. Bonsoir Alexandre. Allons-y Caramar, t'es sur Jaco. Bon bah allons-y. Ah. Les Pokémon ont des droits. Les Pokémon ont des droits. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Attends, je peux accélérer? Oui. Oui. Les Pokémon.
Monsieur Lesquin, montrez-vous! Allez, monsieur le maire Lesquin, vous ne pouvez plus vous cacher! Ah bah la monarchie! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Nous voulons parler avec monsieur Lesquin! Monsieur Lesquin n'est pas ici, il a autre chose à faire que de s'occuper de vous, revenez plus tard! Allons nous attendre ici! Nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas tout ce que nous voulons! Mais vous n'allez pas rester là sans rien faire, bon sang, retrouvez-vous du travail si vous n'avez rien à faire. Libérer le peuple de l'oppression et pour nous est une cause bien plus importante que de travailler pour gérer ce système capitaliste! Allez, blablabla, bon allez-vous-en! Nous ne céderons pas, personne ne bougera d'ici tant que nous n'aurons pas obtenu ce que nous voulons! Oui, d'accord, super. Moi je peux me barrer, SVP. Allez, bon, c'est la fuite, hein. Oh merde. Allez, manifestation d'étudiants. Incroyable. Incroyable. Hop là, parfait. C'est vous, monsieur le maire? Moi, je pense que monsieur Lesquin devrait être notre président pour une région plus sûre. Pour une région plus sûre. Incroyable. Voyons voir. Est-ce qu'on peut reprendre des trucs maintenant? Ah, déjà, on a un peu plus de sous. On va en prendre 5. Ouais. On va en prendre 5. Voilà, parfait. On fait un peu de sous de côté. Soudre les poubelles devant la fac, hein. Je vois que j'ai compagnon mon vital reptincelle afin de vendre mes peintures, mais elles se vendent pas très bien. Normal, t'as un reptincelle, frérot. Attends, je vais sortir la poubelle de la boutique. Je me suis amusé sur cette partie. Ah oui, tu m'étonnes. Hop là. Salut. Hey, t'as toujours rêvé de jouer avec Gale King dans la Vive Grippe Blizzard? Alors prends ça. Quoi? Mais c'est une strat de merde. Ça se joue pas bizarre. Hey gamin, je connais une astuce pour entrer dans la mairie à n'importe quelle heure. Il y a un passage secret derrière la mairie. Oh. Oh, l'info de fou furieux. Je l'ai trouvé du premier coup, incroyable. Tiens, je te file mon mouchoir. Ah, dégueu. Dégueu, dégueu. C'est une ref, Blizzard Vive Griffe Gale King. Hop là, mon papa il vient souvent dehors pour marcher avec d'autres adultes. Il dit qu'il fait ça pour son pays. C'est un héros, mon papa. Mais oui. Je serais pas contre une petite pause, moi. Oui, bah profites-en. T'as du travail. Là, qu'est-ce qu'il y a? Ça arrive à la nouvelle strat de film. D'accord. Mon papa, il dit toujours qu'il faut être gentil avec les gens. Tiens, tiens. Ah oui, c'est la nouvelle strat. Oui, pardon. Bah oui, oui, du coup, ça fait sens. Du coup, c'est vraiment une strat de merde, oui. Mon mari travaille d'arrache-pied pour pouvoir faire vivre notre famille. Hop là, parfait. Ah, bah ça va lui plaire vraiment toutes les petites rêves que t'as posées. Hein. Je pense qu'il y a moyen qu'il s'amuse bien, honnêtement. Hein. Tac, tac, tac. Puis pour l'instant, en Nuzlocke, c'est assez con... ça se fait, quoi. La ville de Lesquin est réputée pour sa richesse, mais surtout monsieur Lesquin et ses amis qui sont pleins aux osas. Ah, d'accord. Mon grand frère est passionné par le poké entomologie, mais moi, je préfère Fortnite. Chacun ses rêves. Chacun ses envies. Tac, 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 tac. Ah oui, pardon, je suis en train de chercher la porte d'entrée, mais c'est que des fleurs. Allons voir. Je suis né dans cette ville, je mourrai dans cette ville. J'en fais le serment, bah. Très bien, papy. Très bien. Faut le spammer, je sais, live. Sur ses lives et sur Discord. Ouais, mais après, faut pas non plus trop spammer, hein, sinon ça va pas... Sinon ça va pas lui donner envie. Un vrai karatéka doit savoir briser une table rien qu'avec la force de sa main. Regarde, je fais une démo. Attention, attention. Aïe. Ah, ma main. Ça fait mal. Oh putain, je souffre. Bon, c'est un peu gênant, là, oui. Mon mari est persuadé qu'il peut être capable de détruire une table avec sa main, il ferait mieux de se trouver un travail. Mon mari est Mon mari est persuadé qu'il peut devenir youtubeur, mais il ferait mieux de trouver un vrai travail. POV si j'avais une meuf. Les soirées de la mairie sont vraiment scandaleuses, mais pareil, il existe un autre moyen d'entrer. Moi je le connais pas, mais il y a sûrement quelqu'un ici qui sait comment rentrer. Très bien. Et là du coup il y a la route. Bon, on peut aller sur les techos de la ville. Ça permet de faire quoi? Ça permet juste d'avoir le contour. Ah merde, il y a un arbre. Et là... Oh, il y a une Pokéball. Super ball. Oh, ça monte. Oh, ça va pas plus loin. Là, il y a des Pokémon qui se baladent. Il y avait un truc qu'on pouvait faire à droite. Okay. Et là, on a quoi? On a la route 3. Ok. C'est juste un petit coucou avant de retourner au travail. Oh, bah bonne chance, Mikuse, en tout cas. Putain, à cette heure-là, tu travailles toujours. Putain, bonne chance. Force. Force, force, force. Je vais parler aux gardes. Ce que je fais, je surveille les habitants, respecter les règles sur les Pokémon. Interdiction de laisser ces Pokémon traîner dans notre ville sans surveillance. Ouais, mais c'est si sans surveillance, bah, ça va alors. Tac. Et là, c'est la pension. Travailler à la pension, une somme de gagne. Si tu veux nous confier à plusieurs Pokémon, reste-toi la patronne. D'accord.
Il y a pas un œuf gratos, il y a un Bulbizarre incroyable. Je peux lui confier un peu. Oh, il y a un truc sur la droite, the fuck. Hop là, on ne passe pas. Oui, mais attends, il y a un... Il y a la fiche de Monsieur le Maire. Je voulais serrer la main, Monsieur le Maire. Je suis dégoûté. Hein. Je suis dégoûté. Et là, il y a un objet. J'ai l'impression qu'on peut pas y aller. Hein. MDR, il y a Monsieur le Maire. Attends, en plus, je peux y aller. On va voir. Ah, je peux pas, non, je peux pas. Ouais. M'en doutais un peu. Ok. Bonsoir, je viens de dire. Je viens juste de dire pour quelques minutes, je savais pas qu'il y avait. Ouais, c'est un petit live surprise de rien du tout, Loan, désolé. C'est un peu pris au dépourvu. Je teste un fan game qui est avec le modérateur, avec le créateur qui est sur le chat. Ça, c'est cool, on s'amuse bien. Bon, alors, du coup, voir dans cette mairie là par derrière. Oh bah, easy. Bonjour. Tiens, je te tiens. Oh non. Oh non, il nous tient. Ça paraît logique qu'on doit se battre. Ouah, une forme régionale de Caninos de type O, il est trop mignon. Premier degré, il est vraiment mignon, j'adore. Il est trop bien. En mode O. Et je pense qu'il faut une Pierrot pour le faire évoluer. Trop stylé. J'ai toujours pas éclair, hein, je souffre. Ah. Ok. J'avoue, là, ça va être compliqué. Double intimidation, tu fais 0 dégâts, mon grand. Putain, il fait quand même mal. Pic-pic. Let's go. Morsure. Ah. Je souffre. Mais comment il fait pour me faire autant mal alors que je l'ai double intimidé? On est où, là? On est où, là? Pic-pic. Il va faire écume. Oh, putain, il avait pistolet à eau. Et je suis plus rapide. Je suis plus rapide, je le kill. Let's go. Putain, c'était dur. La premier degré, il était compliqué lui à affronter. Mais non, j'ai appris chargeur. J'ai pas appris éclair, la douille. J'ai pas appris éclair, les gars. La douille. Putain, je le veux trop, ce Caninos de type O. Il a l'air d'être trop fort. En plus, il avait accès à morsure directement. Putain, trop fort. C'est de rentrer de la mairie par devant. Ah oui, forcément, oui. Peut-être que je teste d'abord ça. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait? Parce que moi j'ai sous-entendu qu'il fallait à la mairie. Toi tu pourrais pas me dégager tous ces gauchistes. Va chercher Monsieur Lesquin s'il n'est pas dans son arène. Tu dois être à la mairie. Ah, c'est lui qui gère l'arène. Qu'est-ce qu'elle en pense, madame? J'ai rien compris ce qu'ils ont dit, mais c'était rigolo. Oh la e-girl. Attends, voyons voir si on rentre dans la mairie. La mairie est actuellement fermée. Horaire d'ouverture, 10h midi. 14h, 16h. On va passer plus tard. Effectivement, les horaires sont un peu scandaleux, hein. On va pas se le cacher. Hop là. En vrai, tu peux parler aux manifestants. Ah oui, les autres. Fais voir. Dans cette ville, impossible de laisser ce Pokémon sans surveillance. Voilà, les autres. Voilà, la portion Pokémon. C'est un scandale. Très bien. En plus, fâcheux, monsieur Lesquin est un sexiste qui pense que les femmes sont bonnes qu'à faire le ménage. Ah non, c'est terrible ça, monsieur. C'est pas droit. Insiste, ok. Ah, mais moi, je suis là pour aller à l'école, hein. Forcément. Je suis en deuxième année de Pokémonologie de l'autre jour. J'ai ramené un reçu de Kabuto. Désolé, par monsieur Lesquin, je cite. C'est pas un Pokémon de la région. Bah super, comment je travaille moi? Ah oui, d'accord. Moi je veux juste protester contre les heures d'ouverture de la mairie. Non mais tu te rends compte, 12h, 10h, 12h, 14h, 13h. Je crois que j'ai le temps moi. Incroyable. Les scientifiques de cette ville sont très massés. Si vous êtes faire des petits boulots pour arrondir la fin de mois, tout ça c'est à cause de ce risque. Hein. Très bien. Ça fait 3 ans que je suis au chômage et que je suis au RSA. Non mais moi ça va très bien, mais le RSA c'est pas assez bien payé à la nique les riches. Nous sommes en direct sur PFM TV, je suis devant l'arène de l'Escar, vous derrière une manifestation principale commencée d'étudiants. Nous sommes actuellement en compagnie de l'un d'eux. Bonjour jeune homme, quel êtes-vous venu faire ici? Ah! C'est chez les cours. Très bien monsieur, merci pour votre témoignage. Merci. Merde, je peux pas changer! Je suis ouvrier depuis maintenant 18 ans, je travaille 48 heures par semaine. Je fais des journées de 8 heures, moi j'appelle ça de l'esclavage. Il est temps pour le grand patronat de revenir à la réalité. 48 heures par semaine? Ah ouais. Ah ouais, dure vie. Ah, c'est... Ah, la vie, c'est dur, hein. Attends, regarde la télé, maintenant. Elle est où, la télé? Où est la télé? Il y a le champion de Tivol avec les cheveux. Oui, oui, je l'ai pas mentionné depuis le début, mais oui, c'est répété d'air, hein. N'importe quelle maison, et forcément, je prends une maison qui a pas de télé. Putain, je suis trop doué, moi. Où sont les télés? Où sont les télés? Pas de télé. Y'a pas de télé. Ah bah, prochaine ville, PTDR. Oui, d'accord. Y'a pas de télé dans cette ville. Ah oui, y'a pas de télé ici.
Ouais, c'est de la merde. Ils sont pauvres. C'est raccord. Ils sont trop pauvres pour la télé. Et oui. Monsieur le maire a tout. Ça paraît logique. Ils ont même pas. Comment ils font pour regarder Jaco, hein? Je me demande. Hein, comment ils font? Hop là, on va repasser par derrière. Hop là, lui il dégage, il peut rien faire. Qu'est-ce que tu vas faire d'ailleurs? Comment as-tu su qu'il y avait un passage? Ah bah, je le sais, c'est tout. Super potion. Mais qui va là? C'est moi. Je me permets. Il envoie quoi? J'ai trouvé mon main. J'ai trouvé mon Pokémon favori de ce jeu, les gars. Ça y est, il est devant nous. Regardez-le comme il est beau. Il nous faut Galiot. C'est lui notre main. C'est notre Pokémon. Qui est lui? Qui est-il? Comment s'appelle-t-il? De quel type es-tu? Je le veux. Oui, non, mais il est trop bien en plus avec le drapeau français. Il est trop bien. Je le veux. Comment quoi? Je le veux. Je suis sérieux. Il est trop bien le poulet. Je l'ai poulé en plus, trop bien. Incroyable. Hop, la flamèche. Il va attaquer, parfait. Il fait rien du tout comme dégâts. Oh, je l'ai défoncé. En plus, c'est un coq pété d'air. Oh, let's go, il était trop bien. Je le veux. Pourquoi tu ne vas-tu pas respecter les horaires? Ah bah, lui, il dort. Bah, super. C'est le plus beau leur du jeu. Ah bah oui, tu m'étonnes. Il est incroyable. Les joueurs sont assez inanimés. Ouais, non, mais attends, mais il est trop bien fait. T'as géré ta race. Faut dire les termes. Ah bah, tout le monde dort. Ah oui, d'accord, il travaille, il dort sur au boulot. Déjà 3 jours que j'attends, l'administration est vraiment infernale, d'accord? Hop là. Pour la reine, je me suis amusé avec la strat intimidation. Ah oui, d'accord. Fais attention où tu marches, je suis en train de nettoyer le sol. Oui, madame. La porte est fermée. Ah, monsieur le maire. Oh, la tronche du monsieur le maire. Oh putain. Oh la tronche. Oh là là, mais monsieur. Il me fait penser à quelqu'un, son sprite. Alors, il est censé ressembler à la personne derrière l'affiche, mais personnellement, son sprite me fait penser à autre chose que sur l'affiche, vous voyez ce que je veux dire? Oh, le sprite, il fait peur, hein. Bonjour, jeune homme, qu'est-ce que je vais faire pour toi? Oh, une manifestation, encore tous ces feignants qui me mettent des bâtons dans les routes. Très bien, merci de m'avoir prévenu. Quel est ton nom? Jaco, voilà un nom que je n'oublierai pas. Mais j'y pense, d'être un jeune dresseur, non? Même si je suis le maire de l'Esquin, je suis également le champion de la ville. Rejoins-moi dans ma reine, je t'y attendrai. Ah non, pas ça. C'est un peu pensé à Macron, moi, perso, je trouve. Après, il avait une bonne tête de... Oh, la défense plus, incroyable. Fouille dans les poubelles, ça rapporte, rassurez-vous. Ok. Hop là, parfait. Ah, il y a un Togepi. Youhou, Togepi, on est vraiment trouvé des copains. Togepi. Oh, non, il va se faire arrêter. Non, Togepi, pas par là. Bonjour, petit. Ah, bonjour, monsieur l'Esquin. Dis-moi, c'est un joli Pokémon que tu as là. Non, pitié, monsieur, Togepi ne savait pas. Tu sais, petit, les Pokémon sont des êtres dangereux. On leur laisse un peu de liberté, et après, qui sait qui se passera s'ils décidaient de se rebeller? Si je fais tout ça, c'est uniquement pour le bien de notre ville, c'est embêtant, tu sais. Mais Togepi n'a rien fait de mal. Oui, pour l'instant, mais ce n'est qu'un bébé Pokémon. Mais, désolé petit, mais je dois saisir ton Pokémon. Vous? Oui, monsieur l'Esquin. Occupez-vous de ce Pokémon. Tout de suite, monsieur l'Esquin. Oh non, le Togepi, non, mon Pokémon, ouin ouin. Que cela te serve de leçon. Je fais ça pour ton bien, tu sais, je n'aimerais pas qu'il t'arrive quelque chose parce que tu as laissé trop de liberté à ton Pokémon. Oh non, mon Pokémon. Tu vas devoir récupérer ton Pokémon à la pension. Tu devras payer 1000$. Ce n'est rien du tout, ne t'en fais pas. Mais je n'ai pas d'argent. Et ben alors, va falloir travailler ou de se rester là sans rien faire. Oh, il est méchant. Ah, les enfants. Il est incroyable, ce personnage. Mais what the fuck, mais il est trop bien. Je suis sad. Traverse la rue. Va choper un job. Travaille à la reine. C'est incroyable. Oh, le protagoniste de la vie réelle. Putain de merde. Le méchant, c'est monsieur le maire et ses lois. Qu'est-ce que tu vas faire contre ça? T'es qu'un gamin de 10 ans? Hein, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux que traverser la rue, trouver un taf, hein. Ah bah, le fascisme! Monsieur l'espion, on en a marre!
Nique le capitaine. Ah, mais enfin, mais calmez-vous, mes amis, on ne se calmera pas tant qu'il n'y aura pas de changement. Nous, on a marre de votre tyrannie. Mais enfin, vous n'y êtes... si vous n'êtes tous pas contents, vous n'aurez qu'à ne pas voter pour moi aux prochaines élections. Ah, c'est vrai, ça. Bah ouais, il a raison. Ouais, bah on votera pas pour vous, ça c'est sûr. Allez, on se tire, les gars. Moi, je vais me payer une bière. Au feu, les fachos. Ah bah, c'est facile. Putain, le mec, mais il est trop puissant. Mais le mec, il a regardé les manifestants, il a fait... Et bah, ils se sont dégagés. Incroyable. De toute façon, je vais forcément gagner, vu que les allocations sont truquées. Qu'est-ce qu'ils peuvent être naïfs? Oh, c'est truqué. Mais t'es encore là, toi? Bon, ça reste entre nous, hein. T'es que de passage, de toute manière. Tiens, voilà pour toi. Ouah, corruption! Si tu rajoutes un zéro tout de suite, je te le dis, je dis rien du tout. Voilà, je savais que tu étais quelqu'un de... Bon, merci encore de m'avoir prévenu pour l'invitation. Plaisir de voir devant l'arène. Corruption incroyable. Maintenant que tout est réglé, tu devrais aller vers l'arène. Ouais, on va se faire défoncer le cul par l'arène. Ça va être incroyable. Oh, la corruption est réelle. Incroyable. Le jeu est beaucoup trop bien, premier degré. Hop là. Ok, fais voir. Bonjour, bienvenue à la reine de l'esquin. Pour trouver le champion, tu vas devoir chercher un peu, mais je te rassure, ça ne devrait pas être très très difficile. Le champion de Sarine utilise des Pokémon de type normal, voilà un petit quelque chose qui devrait te servir. Une eau fraîche. Un jeu sur la France. Ah ouais, non mais tellement, va falloir faire un service civique payé au lancier. Ok. Et il est caché où? Avant d'affronter le maire, tu vas devoir m'affronter, moi, jeune homme. Ok. C'est que des hélicistes riches, c'est ça? Oh, le lapouraille! Déjà un lapouraille, à des charges, il va attaque. Oh, il m'a défoncé, ils sont level 11, le coup critique direct, ça déconne, zéro. Ah, je suis pas entraîné, hein. Va falloir peut-être aller faire la route du dessus avant, en fait. C'est un peu compliqué. Là, il va attaque. Hop, la flamèche. Crasse-face, il me défonce. Hop, la flamèche. Oh, le petit coup critique, incroyable. Hop, la flamèche. En plus, je l'ai intimidé, hein. Normalement, il me défoncerait le lapouraille. Hein. Ça y est, attaque. Ok, ça passe pas de crit, let's go. Hop là, level 14, la vive attaque. Quelle attaque à prendre? La rugissement, s'il te plaît, merci. Bonne nuit, mes cadrons, merci d'être passé. Est-ce que tu envoyais tes Pokémon pour tuer le maire plutôt que d'affronter ces Pokémon? Ouais, je pense que tu veux dire. T'as toujours pas éclair. Un Galiot. On va rester, hein. Putain, la vache, il est trop bien, Galiot. Je veux trop connaître ce Pokémon. Confirmé. Ok, la super potion, let's go. Provoque. On répond à la provoque. Parfait. Je n'allais pas me déviser. Je n'allais pas partir de toute façon. Allez, brûle-le, là. Zut, ça rate. Ok, il spam provoque. Ok. Ça spam provoque. Oh, il est nul. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui arrive au poulet? Incroyable, il est battu. Facile. Tu vas devoir trouver un mécanisme. Ah oui, d'accord. Bon, on n'a pas le level. On n'a pas le level, va falloir un peu enfronter. La France. Ah non, mais le Galiot, il est incroyable. Hein. Le Galiot, il est imbloquable. Hein. Je veux savoir si on peut le trouver sur la route 3. Hein. Est-ce que je peux avoir Galiot? Putain, j'ai un lapouraille. Merde. J'ai un lapouraille à Kémy. J'y ai... Putain, il est level 8. La vache. Crasse face. Petite charge. Tac, boule armure. Charge. On va faire une dernière charge. Crasse face. Ok, let's go. Hop. Pokéball. Ça rentre. Tous les jours, ça rentre. T'as que des Pokémon officiels depuis quelques routes, c'est trop nul. Mais ouais, je suis d'accord. Moi, je voulais le Galiot. Comment je l'appelle, hein? Non, elle sent pas. Je voulais dire où sont les fake mon. C'est Pimpin. Ouais, Pimpin. Il faut garder le thème de la mignonitude. En marque, je sais pas si. Enfin, non, attends, je suis con, on peut pas. Ah merde, on peut pas le renommer. Zut.
Merde, je suis trop habitué à une fille fusion où tu peux renommer derrière les Pokémon. Mais bon, bah, du coup, il s'appelle Fakemon pour l'interrogation. Voilà, ça va trigger un peu les Fakemon. Je veux... Écoutez, je voulais ce poulet. Hein. Je voulais trop ce poulet. Hein. Il avait l'air d'être incroyable, ce poulet. Hop, la route 3. Où est-ce que ça? T'aurais pu appeler Lapino. Ouais, je suis dégoûté. Je suis trop con. J'ai qui devant? J'ai toujours l'Xouille. J'essaye d'avoir la... J'essaye d'avoir une attaque éclair. Voilà, qu'est-ce qu'il a avec son fion, lui? Ça fait éclater le fion? J'ai pas compris. Ok, il a un Bikayu. Petite intimidation. Ça, c'est fort intimidation, quand même. Hein. Hop, la charge. Ah, j'ai du mal contre lui. Hein. Bon, l'armure. J'ai pas d'attaque haut, j'ai rien du tout. J'ai essayé avec les sauves, je sais pas. Supporter 5 minutes, t'as pas tenté le champion encore. On a essayé de faire le premier dresseur et on a vu qu'on était pas assez bien XP. Donc compliqué. Hein. Donc on est un peu allé s'entraîner vers le haut. Ah putain de merde. Il a roulade, je passe jamais cette merde. Je vais perdre quelqu'un là, je sens sur roulade. Putain, roulade qui fait super mal. Ah mais je fais zéro dégâts hein. Putain il... Ah. Et merde. Je sens qu'il va me poser problème lui hein. Oh putain j'ai tenu un PV. Putain il veut pas rater hein. Merde ça n'aura aucun effet, oui je suis con. Je vais perdre mon Pokémon ou pas? Ah putain mais il avait encore une roulade, merde. Putain mais il est trop chiant celui-là, je vais crever. Je vais premier degré crever parce que j'ai pas de Pokémon. Je vais perdre le Nuzlocke sur un Bikayu. Parce que j'ai pas de type haut. Je suis trop faible au type roche. Faut que je le brûle. Putain je l'ai pas brûlé. Putain je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je suis trop faible au type roche. On l'a intimidé trois fois, à quel moment Mais à quel moment il fait autant de dégâts ce Bikayu? J'ai baissé son attaque fois 3. What the fuck. Elle me défonce ma gueule. Mais c'est quoi ce Bikayu? C'est quoi ce truc? Mais il rate même pas sa roulade. Ah, moi j'ai perdu. Oh bah fin du Nuzlocke. Bon on va quand même continuer hein, bien sûr je vous rassure. On va continuer sans le Nuzlocke plus tranquille. Mais PTDR hein, on n'aura pas fait long feu. Ok ouais alors non en vrai tu peux lui laisser roulade. Mais il faudrait que... Je sais pas, est-ce que t'as laissé une option pour les gens d'avoir un Pokémon de type haut dans les hautes herbes, là? Est-ce que c'est moi qui ai juste pas eu de chat? C'est quoi cette merde? Médical est mieux dépensé, ouais, clairement. C'est quoi ça, bandane ton? Putain, il est combat. Ah. Ah merde, ça rentre pas. Bande organisée. Bande organisée. Ah, il est fort le Bikayu, hein. Purée, franchement, je pense que si des gens tentent ton jeu en Nuzlocke, le Bikayu va leur poser de sérieux problèmes. Surtout s'ils font une run avec le type feu. Je pense qu'il faudrait vraiment, Enfin, je pense qu'il va surprendre plus d'un, je pense, honnêtement. Il va falloir vraiment qu'il fasse attention. Tu pourrais piquer tes autres Pokémon décédés Ouais, c'est un Osferapti, on s'en moque. C'est un Osferapti, nous, ce qu'il nous faut, c'est les Fakemon. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer avec les Feymon, tu vois. Ce bruit. Il a cran. Oh, putain, la vache. Ah oui, il déconne 0 hein. Hop là. Tac 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 tac.
Et elle avait poil à madame. Ok, il y avait des féroces. Hein. Ah ouais, donc j'ai juste pas eu de chance avec le Laporeil. C'est logique, là t'as des Pokémon de type combat pour faire l'arène de type... Ouais, donc faut juste pas avoir de mauvaise chance, quoi. Faut juste pas avoir... J'ai juste eu pas de chat, en fait. Hein. Hop là, le bruit du canard me flingue. Hein. Hop là. Comment ça, elle filme? Qu'est-ce que tu filmes, madame? Ok, type normal. Putain, regardez-le comme il est là en mode... On est là. Il est trop mignon, le canard. Oh, let's go. Par contre, il fait super mal. Balayage. Ah, il est fort. Ah, avec lui, on va ridiculiser l'arène, je pense. Hein. Ah, level 7, let's go. Point karaté. Incroyable. Axolotl. Axolotl, tout ce qu'il y a de plus normal. Point karaté. Et on fait 0 dégâts. Okay, balayage. Okay, point karaté, ça faisait plus de dégâts. Je lance boue. Hop là, point karaté. Hop, on tank, parfait. Point karaté. Ça kill. Easy. Déjà level 9. Oh, le band organisé qui va monter tout de suite. Allez, compte insta, d'accord, ok. Un antipara. Putain, il y en a des dresseurs sur cette route, nom de Dieu. Il y en a beaucoup. 2 ans, on va dire. Ouais, putain. Et franchement, je propre. Hein. Pour l'instant, c'est giga propre. Hein. Balayage. J'aurais dû faire point karaté en vrai. Charme. Il n'y a pas le type feu, on est d'accord. Hein. Remarque, je le fais. C'est pas super efficace. Ça devrait être super efficace s'il est type normal. Il y a le type feu. Bah non, parce que c'est neutre. Ou alors tu l'as mis de type eau, Azuril. Il est de quel type? J'ai fait quelques pauses au milieu, j'ai commencé il y a plus de 3 ans. Ah oui! Ah oui, quand même, ouais, ça date du Covid, c'est ça. Hein. Hop là, on l'a tabassé. Let's go! En puissance. Un Statsu. Bah, t'es adorable, toi! Bah, t'es adorable! Bah, regarde-toi! Bah, oui! Bah, oui, t'es mignon! T'es adorable! Allez, la brûlure, parfait. La puissance du coin-coin. Ah ouais, non, clairement. Hein. Éclair, aïe. Putain, il fait mal en plus. Il est trop kawaiiné. Lui, s'il va pas dans l'équipe de Miku-chan, je comprends pas. Hein. Hop là. Éclair. On a du mal, hein. Je sais pas quel type il est. Est-ce qu'il est ténèbres électriques? Je pense. Et ouais, le jeu a son propre clone de Pikachu, ouais, la classique. Bon, par contre, j'arrive pas à le défoncer. On va être Lixoui. Tac là, cran. Machin truc. Éclair. Charge. Oh, il est. Voix enjeleuse. Ah, donc il y a vraiment le type fée. Genre, il est fée électrique. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Bien joué. Incroyable. Eh oui, il y a le type fée. Ah ouais, putain, propre. Propre de fou. Vas-y, pont le karaté, ténacité, rien à faire. Pont le karaté. Hop là, je te laisse même pas un bébé, qu'est-ce que tu vas faire? Pont le karaté. Oh merde. Bon là, il va tenir. Chiant. Chiant, 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 chiant. Ténacité, pont le karaté, tu dégages. Ok, let's go. Déjà level 11, il a déjà rattrapé l'équipe, c'est incroyable. Un Evoli. Pont le karaté. Mais oui! T'as trouvé ton maître, mais la puissance du coin-coin! Mais avec ça et le poulet, je serais intuable! Ça et mon poulet, je serais increvable. Il me faut ce poulet. Par contre, ça a complètement bugué, hein, on l'a vu. Hein. Le mec ne regardait pas du tout, c'était incroyable. Non, intimidation, comment oses-tu? Comment est-ce qu'il ose? Il faut calculer pour attraper vite, ouais. C'est calculé selon le mec de la serre. Oh! Ok. Ok, on regarde tout champ. Ouais, 0, je fais 0 dégâts. Tout va bien. Attends, on va se soigner. Où est-ce qu'il est bande organisée? Parfait. Charge. Ok, on prend cher, c'est pas grave. Hop là. On met le coin-coin. T'es mal coin-coin. Le coin-coin, je suis sûr, il fait l'arène. No problemo. Faudrait que je mette point karaté en devant. Hop, point karaté. Hop là, ça dégage. J'ai dit, ça dégage. Boum. Oh là 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 là, les levels, les toxinettes qui montent. Incroyable, passe rouge, rien à faire. Rien à faire de tes problèmes. Boum, le point karaté. Oui, ce Pokémon est là pour aider la reine. Ouais, ouais, ça se sent.
Moi j'ai pas eu de chat, je suis tombé sur un vieux appareil de merde. Hop là. Potion. On se soigne. Tac tac tac, pic pic. Ouais, forcément ça fait mal, hein, pic pic. Coup critique, ah bah super. Bah, tu sais quoi, j'ai pas besoin de. J'ai pas besoin de ça moi. Coin. Je suis pas plus rapide. Je n'étais pas plus rapide. J'étais paralysé, ça aussi je l'ai pas fait gaffe, j'avais pas vu. Voyons voir. J'ai toujours pas éclair, hein. Je les regarde tout champ, mais j'ai pas. Oh, c'est mignon, c'est rose, c'est avec une petite étoile, c'est sympa. Et il veut pas crever, hein. Il me casse les pieds, hein. Ouais, il me casse les pieds, hein. Toxinette, t'as vive attaque. T'as pas vive attaque, tu casses les couilles. Hein. Vive attaque. C'est bon, tu résistes. Finis-le. Voilà. Incroyable. Bon, on est plus en Nuzlocke, donc je fais de la merde, forcément. Double pied, cool. Let's go. Est-ce que je peux revenir en arrière? Attends, est-ce que je peux choper? Non, je peux pas choper le truc. C'est pas par là qu'il faut que je revienne en arrière. Merde, regardez. Tac, 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 le hack solo. Hop là, la fuite. Hop là, parfait. J'ai juste envie de faire l'arène du coup, en fait, avec mon canard. J'ai juste envie de prendre mon coin coin et de me de tartiner le boss, en fait. Tac. Prendre des potions vite fait. Vas-y, tu sais quoi, je vais tartiner le boss. Là, avec mon coin-coin, là, je suis imbattable. Je suis imbattable. Il est déjà 22h28. Oh, ça va, en vrai, on devrait avoir le temps de au moins faire la première arène, déjà, ça c'est clair. Et après, de moins faire évoluer le starter. Alors, comme ça, on aura bien commencé. Abri. Oh, il casse les pieds. Point de karaté. Aïe! Ça dégage. Le canard est dans la place. Tout ne peut rien faire. Point de karaté. Ah j'ai. Oh merde, j'ai laissé un PV. Mais je le défonce, hein. Oh, le coin-coin, il est imbloquable. Il est imbloquable. La balayette. Incroyable. Voilà, il a que des attaques. Je m'en bats les fesses. Il a que des attaques de type combat. Hop là. La pourtant il me regarde bien derrière les bibliothèques. Ah ah. Il y a un interrupteur. Ok. Non. Wesh, il est où? Attends, je les ai tous faits. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah. Ah. Genre aussi simple. Mais le gars, il a dit de regarder derrière les bibliothèques. Derrière les... Bah oui. Pourquoi le mécanisme était là? Quoi ce bordel? À quel moment? À quel moment? J'ai pas compris. Hop. Ah, mais regarde... Non, oui, d'accord. Regardez derrière les bibliothèques, genre en mode PTDR, tu peux voir grâce à la map le passage secret où il se trouve. Ah, dans ce sens-là. Oui, d'accord. Ok, je vois, oui, je crois que j'ai compris, oui. Ok. Dans ce sens-là. Genre en MDR, tu vois bien que là, il y a le passage, en fait. C'est ça, le piège, ouais. En fait, c'est juste débile. C'est juste moi qui cherche trop compliqué. Hop là, le passage est ouvert. Avec son image, putain, derrière, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Bon, tu vas tâter de mon canard. Ah, te voilà, jeune dresseur. Après, relever le défi, je vais te montrer que les Pokémon peuvent montrer leur vrai potentiel quand ils sont parfaitement soumis. Ah oui, d'accord. Oh, la musique incroyable. Oh, la tronche du gars. Un lap oreille. Point karaté. Allô. Je sais pas pourquoi je veux le récupérer en fond sonore, le... Ouais. Ah putain, si Flimard, je veux tellement récupérer l'audio du coin-coin, parce que je veux ça en alerte sub. Tu sais, genre avant les... Tu sais, genre, il y a toujours un espèce de bruit super efficace que j'avais mis, qui surprend un peu et qui est pas ouf. Mais en vrai, let's sub, en vrai, je le veux. En vrai, le coin, je le veux. Le... Ouais. C'est beaucoup trop drôle. Pour mes alertes sub, ça serait beaucoup trop drôle. C'est juste un bruit de canard que t'as trouvé sur internet, mais c'est beaucoup trop drôle. Oh, le Patrick Coq! Incroyable!
Allez, oh le poulet français. Oh le meilleur Pokémon. Avec la musique, c'est incroyable. Hein. Oh le Patrick Coq qui se soigne. Balayette là. Oh le retour. Bande organisée, tiens bon. Balayette. Incroyable, il a tenu. La vitesse baisse. Tu es donc plus rapide que lui, finis-le. Non, il utilise une super potion. Ce n'est pas grave. Il est toujours moins rapide que toi et tu l'as mis mid-life. Finis-le, Balayette. Non, tu l'as laissé un PV. Il faut que tu résistes. Bande organisée, non. Ce match. Ce match. La flamèche. Voilà. Oh, le bruit. Il avait du mal, hein. Ok, on va finir avec... let's save, let's go. On va venger le canard. On va venger notre canard. Ok, finis-le. Oh, ça se soigne, la BO rang. Ça a accès à retour. Bande désorganisée, là. Vas-y, brûle-le, fais quelque chose. Non, let's save, je voulais pas que tu crèves, je voulais XP sur ta gueule. Vas-y, call me, baby. Intimidation. Pic pic. Bonsoir Kazé, comment vas-tu? Ah bah elle me défonce la vache. Elle me défonce. Putain, elle me défonce. Intimidation. J'ai perdu mon poulet. Charge. Coup de boule. Charge. Allez, défonce-le. Défonce cette vache. Allez, let's go. Facile. Let's go. Bien joué, jeune dresseur. Ah, jeune dresseur, tu mérites pleinement de vivre dans cette belle région. Tu n'es pas comme tous ces feignants au RF, ça. Tu avais mérité le badge patrie. Merci. C'est incroyable. Grâce à ce badge, tes Pokémon te mireront jusqu'au niveau 30. Comme tu m'as également beaucoup aidé pour la manifestation, voici un peu très présent. Ouh, déjà retour. Incroyable. Le Pokémon qui l'utilise a servi, plus la capacité retour sera puissante. Bien, allez, au revoir, jeune dresseur. Comment ça, frérot, on va pas... Oh, bonjour. Que fais-tu dans mon VR Zwin? Ah, d'accord. Ah ouais. Ça va, nickel. Un peu mal. Honnêtement, je me sens un peu mal. Je suis un peu malade. Je sais pas si j'ai chopé un truc. Je pense que j'ai besoin de dormir. Mais bon, il reste plus beaucoup de temps sur le live, donc... Oh, on tient. On tient, on tient. Pas bien. Puis, franchement, le... Vraiment, je m'éclate. Au premier degré, franchement, je m'éclate vraiment sur la fin de game. Incroyable, le taf, let's go. Hein. Franchement, incroyable, le taf. Bientôt le badge patrie, puis le badge famille. C'est possible. Ok. Attendez, est-ce qu'on peut mettre... On va mettre les sauves devant. On va essayer de le faire XP. Alors, pour la blague... Pour la blague, Louvre... Je ne hurle pas parce que c'est plus un Nuzlocke. Mais j'ai perdu le Nuzlocke, en fait. J'ai essayé de jouer en Nuzlocke au début. Et on est mort. On est mort face à un caillou. D'ailleurs, attendez, on va prendre notre revanche sur le caillou. Voilà, il y a un caillou, il a détruit mon équipe. Du coup, j'ai perdu. J'ai déjà perdu. Donc, vu qu'on est là pour avant tout découvrir. Du coup, voilà, on continue en mode fun. Donc là, la vengeance. Vous voyez cette merde là, qui nous a défoncé notre équipe. Moi, je la vois pas. Ah bah, merde, il résiste. Allez, il veut faire boule armure, c'est pas... Je présume qu'il a fait buter en plus cette merde, hein. Vas-y, point fermé pour karaté là. Vas-y, ça dégage. Let's go. Let's go, level 14, let's go. Ça évolue ce truc ou ça a pas d'évolution? Ce serait possible que ça a pas d'évolution. Désolé, ça me fait rire, je sais pas pourquoi. C'est un canard, il fait coin. Je trouve ça drôle, moi. Il fait coin coin. C'est un canard. C'est trop bien. Ah, il y a Miku qui est là. Ça pue ce bonne canard. Ah, on est d'accord. Ah, Jacocoon, bonsoir. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, et pourquoi je reste planté là? Bah, je faisais mes lacets, enfin, je n'attendais pas du tout dans le but de faire un combat contre toi. Non, ça non. Jaco! Quoi? On fait le combat, s'il te plaît! Ah non, hein! Allez, c'est parti! T'as la bœuf. C'est pas comment de la soundboard de Discord le coin, c'est peut-être un... Honnêtement, je pense que c'est on va pas se mentir, let's solve, on connaît ton secret. Hein. À mon avis, il est allé sur des banques gratos, il a vu un bruit de coin et il l'a pris, tu vois. Mais bon, on va pas lui en vouloir, c'était parfait. Ah putain.
C'est exact. Allez, la Flamèche, on va lui ridiculiser son Pikachu, là. En même temps, comment tu veux faire sinon, PTDR? Bah oui, clairement, je suis d'accord. Non, t'es un peu dans la merde. Hop là, hop. Flamèche. Lui, il dégage. Level 16. Je sais pas du tout si c'est l'évolution, mais on va espérer. Sinon, va falloir attendre encore level 17. Je sais pas. Oh, il résiste. Oh, le pinerbe. Oh, ils ont des béants. Attends, ça joue strat de fou furieux. Allez, dégage-moi ça, là. Tu fais les bruits toi-même. Coin, coin. Tu peux me sampler, si tu veux. Oh, elle a un Salamèche. Oh, non, pas toi, Let's Solve. La Rome était parfaite jusque-là. Pourquoi, Let's Solve? Non. Non, je sais ce que t'as fait. Non, Let's Solve, non. Pas toi. Ah, non. Ok. Bon, dommage. Bon, en fait, Let's Solve, t'es un peu nouveau, donc tu comprends pas. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai une dent contre les Pokémon de la 1G. Je n'aime pas les Pokémon de la 1G, tout du moins les starters de la G, encore moins Salamèche, parce qu'ils représentent pour moi ce qui ne va pas en ce moment avec Pokémon, enfin, un des trucs qui ne va pas avec Pokémon, notamment le fait que maintenant, la première génération, ça n'est plus de la nostalgie, mais juste du marketing de la part de Nintendo. Et à chaque fois que je vois Salamèche, je peux pas m'empêcher de rager parce que je vois juste Nintendo qui est là en mode « Regarde, il y a Salamèche ! Achète mon produit ! Achète mon produit, MDR, achète !» Migou, ça a une méga fan cancer, donc c'est pas fait exprès. Non, oui ! Oui, non mais, pardon, laisse-moi finir. Ça, c'est ce que je dis. Mais je pense comme toi. Bah parfait. Mais du coup, oui, c'est une méga fan, donc c'est logique. Elle a Pikachu, elle a Salamèche. J'ai rien contre ça. Et du coup, ouais, Lucario, je comprends la blague. Mais du coup, moi, ce que je m'attendais, parce que j'avais complètement effectivement oublié le dialogue quand elle parlait de Dracaufeu plus tôt, moi, je m'attendais à ce que t'étais tombé dans le vice et que tu m'avais fait un Salamèche régional, genre un Salamèche de type eau, un Bulbizarre de type feu et un Carapuce de type plante. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je pensais que t'étais tombé dans ça. Et j'étais en mode, mais non, mais pas les starters de la 1G. Pas eux. Mais du coup, non, oui, je comprends, oui. Oui, c'est la blague de PTDR, elle est giga fan. Donc c'est logique. C'est logique, elle a tous les Pokémon surcotés de fou. Je présume elle va avoir... Attends, qui est-ce qu'elle pourrait avoir? Qu'est-ce qui est surcoté de fou? T'as Pikachu, t'as Dracaufeu, t'as Lucario. Je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, il y a des Pokémon, ça serait un peu plus compliqué, parce que je pense à Junko, grâce à l'anime, je pense à Amphinobi. Mais c'est des Pokémon un peu complexes, et ça ferait un peu trop avec le starter Salamèche. Putain, il y a qui qu'elle pourrait avoir? Si c'est une méga fan relou, elle pourrait genre avoir beaucoup de Pokémon de la 1G. Je pense que tu pourrais lui rajouter un Meowth ou un Kulbutoke, genre en mode Team Rocket. En surcoté de fou, par contre, en vrai, à part eux... Ouais, il y a Lucario, il y a Karchakrok, à la limite, MDR, en mode giga fan... Ouais, giga fan Karchakrok, ça peut passer... De la 3G, j'en vois pas trop, à part Junko, qui serait en mode super hype facile. Darkrai, ouais, non, bof. Non, mais Darkrai, c'est un peu compliqué de filer un légendaire à la meuf. Moi, je te laisse, j'ai la meilleure chance sur son Pokémon à plus. Tu verras bien. Ouais, bah, je verrai bien, ouais. Je suis assez curieux de ce que tu vas choisir, du coup. Forêt Kokori. Attends, comment ça, Kokori? Genre, tu te caches même pas. Ah, Koroki, pardon. Oui, ok, non, Koroki. Oui, okay, d'accord, parce que moi, j'étais en mode... Comment ça, la forêt de Zelda, genre... Genre, même pas, tu te caches. Absol. Ah, c'est vrai, Absol. Salut, Yuyo, comment vas-tu? Ça va, nickel. Un peu fatigué, hein. Je commence à avoir la fatigue qui arrive à plein de nez. Mais bon, de toute façon, il est 22h40. Dans 20 minutes, on arrêtera bientôt. Là-haut, sommeille le dieu Sylvain. Oh, il y a également un tag en dessous du texte, le lire, ouais. Durif, lol. Alors ça c'est... Ah, Durif. Ah oui, genre ça doit être le nom du Celebi de Vildrong, c'est ça? MDR. Ah, t'es pas le seul, ouais. Ah là, ça fatigue, comment j'ai rien, ouais. Ok, je capture des bocaux d'insectes si tu veux. Il a toujours pas évolué mon starter PTDR, je réalise. Mais genre comme ça, t'es en train de me dire qu'il y a... Genre comme ça, t'es en train de me dire que t'as mis Celebi en haut d'une cascade dans la première grotte en mode OKLM. Oh, l'évolution d'Ouvriel. Oh, c'est stylé. Noctali. Ouais, Noctali, c'est vrai que c'est sympa.
J'avoue que Miku-chan, si c'est une vraie fan, t'as raison. Non, t'as raison, Flimar. Miku-chan, elle devrait avoir un Evoli. C'est un truc que tu peux faire, ça, à la limite, Let's Sauve. Si tu veux un peu ajuster son équipe. Je pense que vu que c'est une giga fan machin, je pense que tu peux t'amuser à lui donner un Evoli. Et en fonction de son équipe, en fonction de l'équipe du joueur, peut-être voir si tu peux pas... Bon, bah, soit la classique, tu fais Pyroli, Voltali, Aqualie. Enfin, pas... Non, c'est quoi, Pyroli? J'ai manqué un truc? Non, c'est ça. Ah oui, non, Philali, Pyroli, Aqualie. Mais je sais pas si Philali est disponible, malheureusement. Ou alors des trucs comme Noctali, Mantali, je sais pas. Mais j'avoue, un Evoli dans son équipe, ça serait pas con. Ça serait plus que logique, je pense. Par contre, il faut que j'aille où, là? PDR, je suis rentré dans la forêt, mais en fait, il faut que j'aille où? À droite, pardon. Ouais, il y a tous les Evoli. Ah! C'est vrai que ça peut être atypique d'avoir un Philali qui débarque. Je vais laisser à la prochaine. Merci d'être passé dire bonjour, Yoyo. Bonne soirée à toi et bonne nuit. Ouais, je vais pas tarder, parce que vraiment, je commence à canner. Oh la vache, j'ai quoi ces trucs? Même deux nouvelles évolutions. Ah, bon, bah, je présume que ça va être ça, du coup. T'as mis deux nouvelles évolutions? Incroyable. Ah bah, il lui faut clair... Si t'as mis deux nouvelles évolutions, il lui faut clairement un Evoli dans son équipe, hein, c'est indéniable. Or même, tu lui mets les deux. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? On dirait une banane. Bulbat. Qu'est-ce que t'es censé être? Et qu'est-ce que t'es, celui à gauche, là? On dirait un Germignon pas fini. Kodama. Trop bizarre. Hop là. La mèche. En tout cas, il résiste, hein, les enfoirés. Hein. Affûtage. Charge. Croissance. Ok, on va attaquer celui de droite. On va finir celui de gauche. C'est peu efficace. Ah, il est pas seulement plante. Peut-être plante insecte. Level 17. Rebondit feu. Oh, c'est le moment de l'évolution, les gars. Du coup, on va enlever charge. C'est le moment de l'évolution, les gars. On va voir en quoi Let's Sauve, il évolue. Hop là, la charge, il dégage. Let's go, level 13. J'apprends quoi? Enfin, étincelle. Eh ben, bordel. Enfin. Enfin. Enfin, il va servir à quelque chose, ce Lixouille. Mais c'est un peu trop tard, vu qu'il est mort. Let's go, Let's Sauve évolue. Et c'était super rapide en flambéron. C'est plus une boule. Par contre, ça me bute de rire, parce que... Attends, quoi? Il ressemble quand même vachement à Picléron, non? T'as pas eu la ref de Sylvain Durif? Oh, mais oui, je suis con! Mais Roronois, t'as trop raison! Mais oui, Sylvain Durif, mais je l'ai pas vu. Ah non, je l'ai complètement rappé. Ah, je suis complètement passé à côté. Au jaune. Non, mais en tout cas, il me fait rire parce que Minisange, on continue, hein. T'as été un devin, Let's Sauve, hein. T'as été un devin. Mais il est sympa, en vrai. Il est simple, mais il est sympa. J'aime bien. C'est un poulet de feu. C'est un gros poulet. Et du coup, il est feu-vol, hein. C'est atypique, ça, feu-vol, hein. On dirait, en fait, le Pokémon de la... Ah merde, moi, je me suis fait défoncer le cul. Vas-y, bande organisée, hein. Bon, tu vas rien faire, c'est un type psy, en fait, je réalise. Ah ouais, choc psy. Ah ouais. Coin. Je défonce ma race. Intimidation. En même temps, choc psy, qu'est-ce que tu fais avec choc psy? Mais ça fait trop mal, choc psy, c'est quoi ce bordel? Heureusement, t'as un Abra que tu défonces. Heureusement, c'est pas un Nuzlocke, ouais. Mais le Abra, what the fuck? Mais c'est quoi ça, Choc Psy? Ça sort d'où? D'où il est aussi pété? Vas-y, pic pic. Oh la vache! Il l'apprend vraiment, hein, c'est pas moi, mais putain! Mais il me défonce! Mais la vache! Pourquoi il fait autant mal? Aïe! Je me suis fait wipe par... Je me suis fait trouer le cul par un abra. Tout va bien. Tout va bien, je me suis fait défoncer le cul par un abra, mais... Abra tueur de Nuzlocke. Ah ouais, non, mais on aura perdu deux fois, hein. On aura... Bon, après, je me suis pas soigné aussi, ça aide un peu le abra, mais... Ça aide un peu le abra. Non, clairement pas au début, c'était à 80 de puissance, ce truc. Ouais, j'avoue, c'est un peu fort, hein, Shop-Psy, quand même, pour un abra... Normalement, il devrait avoir choc mental, pas choc psy. C'est un peu abusé, je trouve. Non, là, j'avoue, c'est un peu. Autant j'ai rien dit roulade pour l'autre, mais là, j'avoue, c'est un peu abusé, choc psy.
Oh, le Crisacier. Hop. Putain, on l'avait pas affronté, lui. On va lui défoncer sa mère. T'as raison, ouais, je l'enlèverai. Ok, super. On aura servi à quelque chose, les amis. On aura downgrade Abra. On aura nerf Abra. Let's go. Le fripon. On le défonce. Ok. Je devrais peut-être mettre en bande organisée devant. Je veux savoir si bande organisée a une évolution. Hein. Ouais. Ouais, je veux savoir. Je veux savoir, est-ce que bande organisée a une évolution? Je quitterai pas ces lives tant que j'aurais pas vu l'évolution de bande organisée. Ah putain, mais non, mais je suis revenu face au mec des types Abra. J'aurais pas dû mettre du coup mon Pokémon, je suis trop con. Ok, les Abra. Ouais. Vas-y, on va être Befekmon. Oh, la Chopsy. C'est si fort. Pété l'air, mais c'est si fort. Putain, non, j'aurais dû faire rebond du feu, le con. Ah. Ok, c'est bon, on tank. Hop là. Ça dégage. Hop là, Abra. Rebondit feu. Le champ du jeu grisy, je sais pas pourquoi. Ah merde. J'ai encore ce bug. C'est un bug que j'ai souvent. Attendez, je finis sur moi. Techniquement, ça va revenir tout seul. Ça vient de mon côté, hein. C'est pas du jeu. Oh, t'as survécu, Lixi. Let's go, défonce-le. Let's go. Attendez. Ça vient du jeu. Comme dans une fine fusion. Ah ouais, ouais, non, c'est comme une fine fusion. Hein. Je me demande si j'ai pas un problème. Hein. Ça grésille, hein. Ouais, ouais. On va faire ça déjà dans un premier temps. Ça regrésille toujours là? Car si je change de fenêtre. Non, ça grésille. C'est bon, ça grésille plus. Je sais vraiment pas. Là, ça va, ok. Je sais vraiment pas d'où viennent ces bugs. C'est assez récent depuis que j'ai changé le PC. Pourtant, j'avais changé les réglages. C'est pas un problème. Ça vient du son. Ça vient du son. Ça grésille plus, j'ai l'impression. Ok. Faudrait que je regarde un truc, peut-être que c'est ça. Ok, faudrait que je regarde. C'est quoi, c'est un Tarcel? Ah oui, c'est un Tarcel. J'ai l'impression qu'il a des boucles d'oreilles, non, vous trouvez pas? C'est pour ça que ça m'a paru bizarre. J'ai l'impression qu'il a des boucles d'oreilles, vous trouvez pas? Putain, par contre, c'est encore un type fait... T'as fait chier, je peux pas entraîner mon... On dirait qu'il a des boucles d'oreilles, c'est trop mignon. Oh, il a fait téléport, pété d'air, ça sert à rien. Ah voilà, choc mental, bon ça fait mal. Mais là, tout de suite, c'est plus rationnel. Putain, j'ai du mal contre les tipsy, hein. Forcément, mon type combat, c'est mon préféré. T'es level 14 en même temps, le Tarcel. Ça rigole zéro au niveau de l'XP, par contre. Si t'es à peine en retard, t'es tellement dans la merde. C'est incroyable. Hein. Hop là, intimidation. Hop là, confirmer. Choc mental. Putain, on résiste, mais il va être plus rapide que moi à tous les coups. Hein. Ah ouais. Putain, je vais encore me faire défoncer. Putain, elle déconne zéro, la route. Aïe. Quel jeu tu feras après Pokémon Fusion? Aucune idée, on verra bien. Franchement, aucune idée, on verra quand... Fusion, on y est encore pour longtemps, hein, honnêtement, donc... on verra. Putain, je me suis fait encore défoncer. J'y crois pas, c'est trop drôle. Je me fais full défoncer. Bon, bah, à savoir que quand on fera le... Après, t'as pas mal partagé XP. Ouais, je suis d'accord, hein. Je suis d'accord, hein. Ouais. Ouais. J'adore ce bruit, j'en peux plus. Ouais, ouais, non mais au moins ça me permet de tester, tu vois, quand on fera un vrai Nuzlocke sur ce jeu. Ouais, faudra se rappeler que capturer des Pokémon, c'est bien, mais déposer les Pokémon et n'en garder que 4, c'est mieux. C'est le genre de jeu, j'ai l'impression, où tu dois te fixer que 4 Pokémon dans ton équipe, et essayer de tourner autour de ces 4-là, et espérer que ça passe. Quand je fais mes tests, j'ai 3 Pokémon environ ici, ça passerait. Ouais, c'est ça. C'est la règle de tu dois avoir que 4 Pokémon pour être sûr de d'avoir le truc qui passe. Tu vois le genre. Oui, mais du coup, il m'a quelques torches, mais non. Il m'a baisé. Il m'a baisé. Heureusement, il fait téléport et heureusement, Pic Pic fait super mal, mais il m'a baisé. Mon talon caché qui se retourne contre moi. Incroyable. Merde, il y avait encore une dresseuse. Et vous suivez les tiens avec le calcul de l'XP et tout semble. Oh ouais! Putain, c'est sympa, hein.
Non, c'est vraiment sympa au niveau kill. Ça demande un vrai challenge. Tu vois. Putain, par contre, roulade, ça fait tellement mal. Ok, parfait, coup critique, let's go. Tu l'as le 18. Un pareil cool. Sérieusement? Ah ouais, un pareil cool. Vas-y, point karaté. Parfait. Bah, il ment. Ça devrait aller, point karaté. Ça kill. Let's go. Hop là, je fais dodo. Merde, il en avait encore un. Un Bulbat. Il fait filage. Voilà, je vais me réveiller, je vais le défoncer. Je vais me réveiller, je vais le défoncer. Voilà. Et là, je le défonce. Ah, il craint. Il est type normal plante. Rush plante. Normal plante. Ok. Frappe Atlas. Mec, tu vas prendre que des nouvelles... Ça sert à rien. Ça fait combien? Ennemi lourd. Équivalent lanceur. Ah oh, c'est de la merde. 50 et là, 65. Ok, renoncer à la frappe là, ouais. Ça sert à rien. Parfait. À la fin de la grotte déjà. Vas-y, avançons. Et on est au village Koroki. Ok, d'accord, c'est complètement une ref à Zelda. La forêt Koroki, le village Koroki. C'est complètement une ref à Zelda. Ne nous le cachons, Pwing. Si vous aviez encore des doutes. Si vous aviez encore, ne serait-ce qu'un minimum de doutes. Ah putain, t'es perdu, merde. C'est vraiment en mode bois perdu. Je croyais que c'était une ref. Ouais, c'est quoi? Y'a une bébé évolution. Il est trop choupinou. Y'a un bébé Scarino, les gars. Lucornu. Oh, c'est les... ça a l'us tu cru. Let's go. Un sécateur. Lui, il a pas changé. Hein. Rebondit feu. Alors, on l'explose. Pas demandé aux habitants du village Koroki. Bah ouais. Tout tout. Putain, c'est trop stylé. Tous les vendredis, on fait du camping dans la forêt avec les copains. Cool. À la forêt Koroki, c'était une ref aussi à Kokiri. Ah oui. Comment traverser la fossée? Écoute-moi bien, regarde bien les fleurs, d'accord? Ah, c'est... En plus, c'est une énigme vraiment à la Zelda. C'est comme dans... Putain, moi, une énigme comme ça qui m'a le plus marqué, c'est Spirit Tracks, où il faut suivre les branchements des arbres qui t'indiquent où aller. On attend que le vieux habite ici. Ouais, ils sont en viager. PTDR. Tu vas aller dans les bois perdus pour en regarder au 6ème, c'est un mensonge, tout le monde le sait ici. Ça fait 83 ans que je viens ici dans le village, des jeunes qui ont de boissons, mais je les enterrerai tous, c'est moi qui te l'ai dit. Incroyable. Là, il faut couper, malheureusement. Petit arbre qui va. Je suis bloqué! 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 Si seulement j'avais cassé secret de coupe et le badge d'arène. C'est pas une ref à JDG ça? Ouais, tu fais 12 plans pour venir dans une pièce paumée, tiens, prends ça. Sois bol, let's go. Si, si, ah, let's go. Au moins je l'ai eu celle-là. Si tu t'aventures dans les bois perdus, faut que tu saches qu'il y a certains endroits cachés. Suis le sens de la fumée de la torche. Ah, c'était ça déjà dans. Attends, je m'en souvenais plus. Ah, et ça, c'est des vendeurs. Bonne journée. Et là, il y a la reine. Désolé, les champions des palais, sûrement au sanctuaire, au cœur des bois perdus à l'Oasis ici. Mais attention, on n'y va pas sans connaître ton chemin. Tu risques de te perdre bientôt. Ok, bah, on va aller tester ça. Il est killer, il est 22h55. Écoutez, on va essayer de voir si on peut pousser jusqu'à la deuxième arène, les amis, ok? On va essayer de voir si on peut pousser jusqu'à la deuxième arène. Et accessoirement, si c'est possible de faire évoluer bande organisée, je ne sais pas. Encore une fois, je ne sais pas si le Pokémon a une fusion. Ouais, il fallait suivre la braise de la flemme. Ah ouais. Alors attends, du coup je présume que c'est à droite. Alors là on est au deuxième. Troisième. C'est trop bien. 4. 5. Et là le 6 ment. Salut, un petit combat. C'est quelle touche faut utiliser pour accélérer ton jeu? U. C'est le U. Il évolue trop tard. Donc... Ah non c'est un... Ah il a une seule évolution. C'est genre un truc genre level 30. Ah ouais. Ouais, genre level 25, level 30, je pense, une bêtise comme ça. Ce serait logique. J'ai de sable. Balayette. Level 30. Fait que ça, incroyable. Fait que ça a déjà joué aux yeux. Hein. Ah non, il a son propre coin. Je serais plus fort. Puissance. J'espère qu'elle est bien, l'évolution de du canard. Hein. En même temps, il est balèze. Mais ouais, non, mais il est... Non, mais c'est mon canard. C'est mon canard à moi, ça. Il est incroyable. Fait que ça, c'est le développeur PTDR. Jaco 1, Jo 0. Ça, c'est marrant. Attends, et du coup, c'est trop stylé parce que t'as mis un arbre qui bloque
Et normalement c'est le 6ème, donc c'est là. Ah, let's go. Et là c'est bon. Ah, let's go. Lol. Ah, c'est trop bien. Et du coup il me donne coupe. Ah, c'est trop cool. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop cool. Ah, bien joué. Non mais... t'es en train de me dire que dans la première ville, t'affrontes un facho muet. Et dans la deuxième, t'affrontes Link. Aucun putain de sens dans ta logique, c'est génial. J'adore. Et le fait que ça soit lui qui te donne coupe, c'est trop bien, putain. Ah putain, et l'arène en mode genre Zelda 1. Tu continues, tu vas devoir me vaincre. L'arène, elle me fait penser un peu à Zelda 1, c'est trop bien. Le non-sens sera confirmé avec le troisième PTDR. Oui, mais je sais pas si je vais avoir le temps d'y accéder. Faudra que j'attende la sortie du jeu pour le voir. Link a toujours les mots. Putain, le Mimigal, il est incroyable. Oui, mais c'est une scutula du coup, PTDR. Elle est trop bien. Alors, la troisième arène est dans la démo. Ah, elle est dans la démo. Oui, mais j'ai plus le temps. Mais j'ai trop envie. Tu penses que c'est long à atteindre ou pas, la troisième arène? Hop là, il dégage. Hop là, Pyrilon. Le bruit de criquet.exe. Bah, continue une autre fois, au pire. Ouais, au pire, on continuera un deuxième live mercredi prochain. Ouais, c'est un peu long. Ouais, peut-être qu'on continuera mercredi prochain, en vrai. Tu sais quoi, on va pas traîner plus, parce qu'après, je suis éclaté. Mais, en vrai, de vrai, tu m'as chauffé de fou. En vrai, j'ai trop envie de voir la suite, du coup. Là, le leak, bah, j'étais pas prêt. Donc, en vrai, de vrai, pourquoi pas. C'est un criquet, ouais, c'est... Bruit de criquet pour MP3, quoi. C'est beaucoup trop drôle. Franchement, je m'éclate. Franchement, c'est beaucoup trop cool. Hop là, on peut continuer. Et là, ça bloque. Hop là. Putain, c'est trop stylé. C'est à la moitié de la démo, à peu près, là. Ouais, bah parfait. On va s'arrêter là, après le champion, du coup. Et je devrais tellement mettre mon starter feu, parce que là, il est imbattable sur cette arène. C'est l'arène de type insecte ou plante, je sais pas trop. Mais ouais, je pense qu'on va s'arrêter là après cette arène. Et mercredi prochain, je pense qu'on continuera, les amis. On finira la démo, hein, clairement. Oh, le Mygalos avec tension. Forcément, c'est logique, c'est trop stylé. Hein. Trop, trop stylé, la sculpture là. Oh, tu t'es tellement fait kiffer. C'est tellement bien, ça, avec les fangames, les refs. Ça paraît con, mais... Pokémon qui ne donne pas de refs aux autres jeux, c'est un peu dommage. Hein. Par contre, Mimigal, autant Mygalos fait très... voilà. J'adore Mimigal. Vraiment, j'adore le design de Mimigal comme ça. Ça rend super bien le fait qu'elle soit toute petite. C'est incroyable. Mais c'est tellement une sculpture là. C'est trop, trop bien. Hop. Par contre, moi, ça me bute de rire quand même de me dire que j'ai eu le starter... enfin, le starter... le starter avec torche. Premier trou. Ouais, en effet, t'as les refs. Ah ouais, non, c'est trop, trop cool. C'est trop, trop, trop cool. Hop là, là c'est l'arène où vraiment je suis tranquille, pépouse, bélouse. Hop là. En vrai, attends, je suis en train de réfléchir. La première arène était de type normal. Donc pour un Nuzlocke, il faut impérativement choper le coin-coin. Si je chope pas le coin-coin, c'est un peu la lose. Ensuite, cette arène est de type insecte. Troisième arène, c'est encore un autre Régis. Putain, mais tu me hype trop. Du coup, la troisième arène, c'est un sac, donc en vrai, le starter feu... En fait, je suis en train de réfléchir vraiment à... D'ailleurs, je voulais regarder un truc. Ouais, il est bien feu voile, ok. Je suis en train de réfléchir aux meilleures options, mais j'ai l'impression que pour l'instant, le... On peut avoir des Pokémon de zone. C'est une arène, hein, ça compte. Enfin, il n'y a pas de Pokémon, j'ai l'impression. Je suis en train d'essayer de calculer pour un Nuzlocke, c'est quoi la meilleure des teams. Mais en vrai, le starter feu et le coin-coin... C'est pour l'instant les meilleurs bails, j'ai l'impression. Hein. Vraiment, les avoir, c'est incroyable. Il y a juste les Pokémon psy qui sont chiants. Troisième arène, Open Eye Runner ou Barbie. Putain, ça serait incroyable. Mais il avait pas développé le jeu pendant ce qu'il y avait ce même. Donc, je pense pas. je pense pas. Mais en vrai... En vrai, de vrai. Donc, le starter feu, le coin-coin. Et en vrai, il faudra un Pokémon qui résiste à la fois...
Un coin au type proche, du coup on a le coin quoi. Non, il faudra un Pokémon qui résiste aux attaques de type psy. Faudra un Pokémon de type eau. Mais je sais pas, on en a pas croisé sur le chemin. Camelot. Je sais pas. Après, il y a le Covid, hein. Le Covid qui est là. Peut-être moyen qu'il fasse une ref à ça. Je sais pas. Mais tiens, ça se trouve, il nous prend. Non, mais les gars, il faut vous dire que, à mon avis, l'esprit de Let's Sauve est incroyable. À tous les coups, c'est genre des zombies. On est devant le champion, incroyable. Il y en a bien une, PTDR. De quoi, de ref à Camelot ou à des zombies ou à... au Covid? Parce que Covid, on a déjà vu la ref sur la télé. D'ailleurs, il fallait qu'on regarde si les gens n'avaient pas des télés. Non, ils ont pas de télé. Au Covid, ouais, ouais. On avait vu à la télé, il y avait à la télé, il y avait une ref de pandémie qui durait depuis hyper longtemps au début. Du coup, le champion. Bon, la reine est sympa, elle me fait vraiment penser à. Dans son articulation, à un temple de Zelda, c'est trop bien. C'est tellement bien foutu, tu t'es vraiment démené, c'est trop cool. Mais le sprite et tout, ouais, non, mais c'est trop stylé. Ouh, il a l'air déter sa mère! Ok, il a un Migalos. Est-ce qu'il lui a donné, que des Pokémon insectes? Mais en plus, je sais pas, genre, champion d'arène insecte? Ça paraît con pour Link. Tu t'attendrais peut-être à type acier ou type fée ou un truc du style. Mais insecte, je trouve que ça marche nickel parce que en plus, t'as donné. Mimigal Sculptula. Mais je sais pas, c'est même l'arène. L'arène, elle match trop bien avec le type insecte, je trouve. C'est trop bien. Et forcément... Je présume que c'est genre... C'est peut-être fait insecte, cette merde. Ouais, c'est ça. Ceinture force, what the fuck. Une lune à vie. Mais non, mais putain, mais je veux... Attends, mais il était shiny, d'ailleurs. J'ai pas fait gaffe. Mais il était shiny, j'ai cru voir la petite étoile en haut à droite. Attends, c'était fait exprès ou pas? Avec l'accélération, l'image était sublimée. Ouais, il est shiny. Merde, désolé. Je me suis habitué à l'accélérateur à cause des combats. Oui, je l'ai vu. PTDR, il était shiny. Il est normalement censé être rose. Pour que ça suive la couleur de Navi dans Zelda. Ok. Ouais, c'était un shiny. PTDR. Celui de base est rose. Ah, ben ouais. Ouais, ça fait plus de sens. Ouais, il a un insécateur, ça paraît logique. Et un Pyrilon. Bon, c'est le seul qui, honnêtement, est un peu... Alors, tu te demandes ce qu'il fout, là, mais... Ah, putain, il a torche. Ok, d'accord. Ouais, un combat de torche. Mais j'ai pic-pic. Chez. Ah, mais ça sert à rien, hein. Hop, là, vue d'attaque. Ça va, il est tranquille, ton starter. Surtout avec mon starter de type torche, hein. Let's go. Forcément, le match Triforce, c'est scoop obtenu. Et sur Vinsect. Putain, c'est incroyable. Certains ont galéré ici. Putain, sérieux? En vrai de vrai, ils avaient le starter plant ou pas? Ouais, si t'as le starter plant, tu galères. Si t'as le starter haut, j'ai l'impression que tu galères. Ouais, il faut vraiment avoir le starter feu. Et encore, le starter feu... Starter plant, ouais, c'est pas facile. Surtout que pour le coup... C'était génial. Ah ouais, non, c'était génial. Surtout que pour le coup... Je suis en train de réfléchir. Mais la meilleure manière de passer, c'est compliqué parce que... T'as donné des Pokémon de type combat. Là, contrairement à la première reine où tu donnais des Pokémon de type combat dans la grotte, dans la route au-dessus, là, on n'a pas trouvé de Pokémon de type feu encore. Donc, je sais pas où vous êtes censé les avoir. Attends, on va donner coupe à toi. Je fais juste deux trucs et je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter là. Il est 23h05, on est dans les temps. En tout cas, c'est super cool, honnêtement, super cool. Oh, et ça tue ce coupe d'un coup, c'est trop bien. 5 B Citrus, let's go. Et là, on a la caverne Mimigal. Et là où on peut capturer nos propres Mimigal Sculptula. Il y a un quart d'artichaut dans les bois perdus qui est caché. Il rejoint ton équipe. Oh. Oh. Je vais faire ça avant de... Oui, c'est le... Oui, c'est ce que je voulais faire après avoir pénétré la grotte vite. Je voulais aller dans les bois coupés, là. À la fin. Tac. 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 Voilà, là. Tac. On coupe. C'était harcèlement.
2 est le meilleur. Quel est cet endroit? Couper deux types plantes, péter des... Ah ouais? Oh, c'est l'inverse. C'est ça l'évolution du piaf? MDR. Attends, couper deux types plantes? Ça m'étonne pas, on est dans un fake mode, hein. C'est parce que... En fait, je voulais faire résumer, pas switch. Non, je vais faire résumer. Ah oui, planter deux types... Couper deux types plantes. 50, 100. Ça m'étonne pas, on est dans un fan-made, donc... On est dans un fan-made, donc généralement, les gens sont pas cons et ils font les bonnes choses. Ah, il est de type plante, le piaf! Oh, c'est marrant. Il va y prendre aéropique. Oh, la dinguerie. Oh, le starter feu, il est trop bien. Trop, trop bien. Un cadabra. Ok, ça, ça fait chier. Rebondit feu. Oh, super. Il tape en premier. C'est bon, on résiste. Ok, rebondit feu. Hop. Choc mental. Hop là, il dégage. Il dégage. Oh, il est rendu toujours pire. C'est quoi cette merde? Il est trop chou. Il est adorable. Ok, on le défonce. Oh, il a statique. Oh, il est électrique feu à tous les coups. Oh, mais je l'ai déjà paralysé, trop du cul. Hop là, coup de main, ça sert à rien. Coup de... Allez, on pique, tu dégages. Hop, parfait. Bien joué, t'étais le meilleur. C'était un entraînement parfait. Ah, oh, ouais, non, c'est tout. What the fuck, je m'attendais à mieux. Mais comment ça, il y a un... Ki, c'est le feu, Hidenki, c'est électrique en japonais. Oh, Hidenki, oh. Ça m'étonne qu'il ne l'ait point encore fait, tu sais quoi. Comment ça, il y a un endroit secret. Je pensais que c'était là, moi, l'endroit secret. Il est adorable. Il est adorable. Où est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'il faut revenir au temple? Je me suis foiré, merde. Attendez, je me suis foiré. Est-ce qu'il faut revenir au... Non. On a d'autres des halles secrètes. Comment ça, mon ref? C'est visible? Ah non, là, je suis revenu au début. Faut fouiller. Comment ça? Voilà, c'est que les autres salles, elles te ramènent au début. Comment tu les trouves? Pikachu. Pas toutes, hein. Ha. Au pif. Ah d'accord. Ah d'accord, c'est juste du pif. Très bien. La Mimikyu. Rebondit feu, on le défonce, c'est trop bien. Hop, rebondit feu, let's go. Ok, bah c'est parti pour le pifomètre. Sympa ici, mais il faut bien connaître les U pour pas se perdre. Il y a un endroit sympa d'ailleurs si tu te retournes sur tes pas et que tu vas en haut. Ah bah voilà! On est aussi pas loin, mais j'ai oublié où. Attends, retourne sur tes pas et que tu vas en haut. Ah bah oui, il est là! Regarde, c'est chaud. Oui. Et merde. Il n'y a personne dans mon équipe. Lol, elle la triche. Elle aide la meuf. Comme quoi j'étais malin, MDR. Ouais. Attends, on va les déposer. Tac tac tac. Attends, du coup c'était droite. Il faut revenir jusqu'à la meuf. Ok, donc c'était en haut. Le cœur d'artichaut. Ouais. C'est un cœur d'artichaut du coup. Oh, je le renomme pas, ça sert à rien. Et c'est juste un cœur d'artichaut. C'est juste un cœur d'artichaut. Ah oui, du coup ça te fait un Pokémon de type vol. Ah, je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est que pour l'arène, PTDR. Ça te donne... Il a quoi comme attaque? Il a regard vif. Il a 32 d'attaque. En vrai, 32 d'attaque, c'est pas... Ah non, mais il est level combien? Ah non, il est level 15. Ouais, il est level 15. Et il a direct aéropique. Ah ouais. C'est une option, quoi. C'est super sympa de ta part. Ah ouais, c'est super smart. Et du coup, là, la meuf, elle m'a dit, il y en a un peu plus loin. Bah, vas-y, go tester, hein. Vas-y, on va aller en bas. C'était pas là. Ok. Pour retrouver à la meuf. Tac, donc on continue. Qu'on a fait en bas. Ah, let's go! Une autre. Pierre plante. Ah oui, d'accord.
Il y en a d'autres après ça ou c'est que des dresseurs en fait. C'est que des dresseurs. Après c'est téléport, PTDR, il envoie le... Ah et du coup il fait torche. Oh mais ça me baisse tellement. Ça me tue tellement ça. Non c'est la dernière salle. Ah ok. Let's go. Le abras. Téléport. Allez on pique. Let's go. Easy. Ok. Bah très intéressant. Bon, on va pouvoir stopper là les amis. Je pense qu'on a fait bien le tour pour cette première session. On recommencera la prochaine fois. On continuera la prochaine fois. Désolé, je suis un peu fatigué. Hop là, parfait. Parfait. Non mais c'était franchement cool hein. Franchement c'est passé tout seul. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en avez pensé le chat? Honnêtement c'était assez cool hein. Franchement, gros taf. Félicitations Let's Solve. Je vous invite à aller tester la ROM si vous êtes sur le Discord. Normalement dans un channel qui s'appelle Instant Pub, vous avez eu la notification normalement aujourd'hui. Je vous invite à aller le tester par vous-même hein. Ça a l'air d'être assez cool. C'est un bon petit passe-temps et donnez-lui de la force. Après vous avez le channel Fangame je crois, un truc comme ça, ouais c'est ça, Fangame. Si vous voulez en discuter avec lui, n'hésitez pas parce que franchement il faut lui donner de la force, hein, clairement. Franchement j'ai bien aimé, oh franchement je vais pas te mentir, moi les Fangames j'ai toujours un peu du mal parce que j'ai toujours du mal à m'y habituer, tu sais, au HUD, c'est un peu compliqué de prendre en main le machin. Là ça va, on a juste eu le souci de la fluidité, mais je pense que c'est peut-être dû à mon écran, peut-être parce que j'étais en double écran machin. Il y a l'accélérateur au pire, ça aide au niveau des combats. Franchement c'était assez fluide sur la fin, on a plus trop eu le problème j'ai l'impression. Ça va, ça match tout seul. Les Pokémon sont vraiment assez atypiques, franchement j'aime bien, ils sont assez rigolos. Bon il y en a 2-3 peut-être, ils sont un peu bizarres. Genre là les deux petits insectes qu'on a croisés en combat double, tu sais le truc qui ressemble à un germignon. Ceux-là je les ai trouvés un peu bizarres, un peu trop bizarres dans leur design. Mais le reste franchement plutôt assez étonné. Le fait qu'on ait le piaf de la ville, du jeu pardon, qui est plan de vol, ça c'est plutôt atypique. Et il avait l'air d'être plutôt sympa. Franchement, c'était assez sympa, ouais. Puis franchement, entre le poulet français, alors j'ai trop hâte de voir ces autres évolutions, mais surtout mon canard là. Ah, j'ai vu. Ah, franchement, je suis content. J'ai vu des fake mon qui m'ont plu, et ça, c'est une grosse win. Ça, franchement. Et puis le starter, le gros poulet de feu au vol. Ah non. Non, mais moi, je veux faire un Nuzlocke, et je veux à la fin dans mon équipe faire survivre le poulet starter. Le poulet français et le poulet qui défonce. Le poulet karatéka. Team full poulet, moi, je veux. Hein. C'est... Moi, je veux ça. Hein. Et non, je connais pas Sofiane FireH. Je suis très mauvais. Hein. La team poulet MDR. Ah ouais, non, mais complètement. Hein. Complètement. Tu me rajoutes un bras égali. C'est bon, là, j'ai une team. Là, je suis parfait. Je suis parfait de chez parfait. Enfin, bref. Mais en tout cas, c'était franchement cool. Gros GG à toi. C'est vraiment cool ce que t'as voulu faire dans le sens où, comme tu l'as dit, c'est quelque chose de global, mais avec les petites inspirations, les petits clins d'œil à fil d'ongle. Sincèrement, je pense que ça va lui plaire. Hein. Franchement, c'est assez fin pour que ça passe tout seul, et je pense que ça va lui faire plaisir. Mais surtout, moi, ça m'a fait délirer. Je m'attendais pas vraiment à ce que t'ailles aussi loin dans le délire entre les manifestations, le maire, et ensuite derrière, on enchaîne avec Zelda. Non, franchement, tu t'es régalé. Tu t'es régalé, ça se voit. Hein. Hâte de devoir découvrir la suite de la démo, il reste quelques dingueries à voir. Ouais, je me doute, hein. Mais c'est trop cool. Franchement, c'est un... Ouais, voilà, c'est un fan game, tu vois, genre... Tu sens que... En fait, le truc, c'est qu'avec les autres fangames que j'avais l'habitude de faire, enfin, les quelques que j'ai fait, notamment Uranium... En fait, tu vois, j'ai envie de citer Uranium et j'ai envie de citer Clover. Clover, c'est trop de l'autodérision, et à bout d'un moment, tu sens qu'on est juste dans l'autodérision et on s'en bat les couilles, et c'est un peu lassant. C'est très drôle, ça marche parfois de temps en temps, après, c'est des blagues américaines la plupart du temps, malheureusement. Du coup, c'est un peu compliqué. Voilà, tu y perds un peu au bout d'un moment, je trouve, Pokémon Clover. Pokémon Uranium, c'est le contraire. C'est un jeu qui se veut beaucoup trop sérieux, beaucoup trop premier degré, c'est limite. C'est un peu pour ça que Game Freak ont eu un peu peur, hein, je vais pas mentir. Le jeu, tu sens que ça pourrait clairement être un jeu officiel, tellement il se prenait au sérieux. Ton jeu, franchement, il arrive à être entre les deux, je trouve. À avoir ce côté, ça matche bien. On a l'impression un peu quand même d'être dans un jeu Pokémon. Mais en même temps, on sent que c'est fait par un gars qui a l'habitude de jouer à Pokémon, qui sait ce qu'il fait et qui sait ce qui est à améliorer pour que ça soit plaisant. Entre la rapidité du gameplay, c'est genre le fait que coupe, ça s'active tout de suite, t'as pas de sous-menu, la sauvegarde qui est rapide, pareil. Les attaques, la difficulté. Honnêtement, le jeu est assez complexe.
franchement, les levels, comme tu l'as dit, la courbe d'XP, c'est assez bien foutu. Il y a vraiment un challenge qui est offert. Et on garde quand même ce côté autodérision qui est vraiment cool, avec des blagues, des comme ça, des trucs comme ça. Et putain, et les rêves françaises, quoi, voilà. T'arrives à mélanger des rêves globales de jeux vidéo, donc là t'as Link par exemple, mais en même temps t'as des petites rêves, les manifestations, le fait qu'on n'est pas content, on n'aime pas être content, voilà, t'arrives à faire des trucs sympas, c'est vraiment bien foutu, et franchement ça se voit que tu kiffes quoi, ça se voit vraiment que tu kiffes ton truc, franchement si je dirais des points à améliorer, franchement j'en vois pas spécialement, parce que pour ce que c'est honnêtement vraiment pas mal les horaires d'administration, mais c'est tellement français, c'est tellement vrai ça, c'est tellement cool. Franchement, moi honnêtement j'aurais du mal à savoir sur quoi est-ce que je pourrais te conseiller, si ce n'est peut-être certains moments qui étaient vraiment abusés. Je parle pas forcément du Pokémon Rush, ça c'est vraiment, tu vois, la dure réalité de PPTDR, t'as pas eu de chat dans ton Nuzlocke d'avoir le canard, tu vois. Non, moi c'est plutôt, j'avoue, le Abra Shopsy, ça c'est un peu trop pété. Normalement il est pas censé, je pense, avoir Shopsy aussitôt, et il devrait y avoir juste choc mental. Ça j'avoue, au niveau de l'équilibrage peut-être. Sinon le reste, en vrai, honnêtement, j'ai pas trouvé trop difficile le truc. Puis même, c'est vraiment assez bien foutu, c'est vraiment bien assez chladé, ça va... Non, franchement, ça va tout seul. Franchement, ça va tout seul. Après, c'est des trucs, je sais pas si tu peux les améliorer, mais c'est vrai que je trouve un peu le jeu lent. Malheureusement, quand j'ai découvert l'accélérateur, après, c'est tellement plus fluide. Je trouve que le déplacement de personnage est peut-être un peu lent, mais ça, je pense pas que c'est des trucs que tu peux changer ou je sais pas quoi. En deux clics, je lui enlève Shopsy, t'es caté. Ouais, non, mais c'est... Voilà, moi, franchement, je donne mon avis. Mais franchement, globalement, c'est super cool. Franchement, t'as fait un taf monstrueux. Et puis, même, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a un autre truc que j'ai bien aimé, il faut le soulever. Le décor est vraiment propre. Je trouve que... Je sais pas comment l'exprimer, mais ça marche vraiment bien. Tu vois, la forêt qui est déstructurée, que tu vois, genre, au lieu d'avoir, tu vois, genre, ton rectangle, ta route, et qu'elle soit bordée de forêt, toi, tu viens manger cette forêt en creusant un trou, en fait, et en ajoutant de la forêt, tu vois, et en laissant un arbre. Et c'est con, mais ça déstructure la zone, et ça ajoute du réalisme, en fait. Parce qu'il n'y a aucun monde où la forêt, elle est juste tout droite, en soi. Et encore, le début était moins beau, je trouve. Bah, franchement, t'as fait un beau travail. Franchement, ça se sent que tu t'es fait... En fait, c'est ça le truc, c'est que tu sens que tu te fais plaisir, en fait. Tu sens que vraiment, c'est un truc qui te passionne et que vraiment, tu y mets t'as du kiff dedans. T'as du kiff. Et franchement, ça se voit du tout, ça se voit tellement. Plus qu'à améliorer, implémenter d'Eden. J'ai bien aimé la façon de parler des personnages. Ouais, la façon dont il s'est exprimé. Tu vois, on n'est pas dans le cringe, on n'est pas dans le ringard, c'est assez sympa. Il y a des personnages qui sont assez atypiques et qui tout de suite transmettent quelque chose. C'est sympa d'avoir ce rival un peu classique, un peu connard, on va pas se mentir, c'est un peu une première fois que t'as un tel personnage, mais on se fait plaisir dans un fan game. J'aime bien le fait qu'il assume qu'il peut pas perdre. Genre, tu triches forcément, c'est pas possible que tu gagnes direct. J'aime bien, bon, Miku-chan, elle est... Ouais, Miku-chan, finalement, tu vois, genre, bon, je venais avec Salamèche, mais j'aime bien le concept de vraiment grosse whip, grosse e-girl, vraiment forceuse Pokémon, elle joue que les meilleurs, Pikachu, Evoli, Dracaufeu, Lucario, elle te sort que les meilleurs, c'est abusé. Je pense, ouais, c'est assez drôle. Puis même, vraiment, le maire... Mais en fait, moi, ce qui m'a fait rigoler, je pense, un truc qui m'a un peu choqué, tu vois, par rapport à un Pokémon classique, c'est que moi, je m'attendais à devoir régler le problème du maire. Tu sais, la manière dont tu le montres, tu vois, genre... Mais t'as juste montré de la méchanceté. Mais genre, on peut rien y faire. Genre, bah, on s'en bat les couilles, nous, on est là juste pour notre badge. C'est le maire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'est qu'un gamin de 10 ans, déjà qu'on a réussi à s'infiltrer sans nous créer de problème. Bon. Alors, à moins que t'as prévu plus tard que ça soit peut-être le méchant, qui bosse avec le méchant, qu'on puisse avoir justice. Mais j'aime bien ce côté, genre, bah, tu peux rien faire, mec. Tu peux rien faire, hein. T'es impuissant, c'est normal. C'est assez drôle. C'est assez drôle, honnêtement. T'es un gamin, bah ouais. Franchement, j'aimerais bien... Franchement, ça serait... Je sais pas si c'est un truc... Alors, je pense que c'est une idée de merde, hein. Mais c'est un truc qui me ferait rire. Je sais pas comment on pourrait... Mais c'est une idée que je donne comme ça, que j'ai tout de suite, tu vois. Mais qui irait bien avec le maire, mais je sais pas ce que t'en penserais. J'irais bien un moment où tu peux le réaffronter. Mais genre, tu sais, genre, en mode message secret, tu vois, genre, t'es pas obligé de le faire. C'est un truc que tu peux passer à côté, c'est un easter egg, tu vois. Et qui, bon, par contre, faut préciser que ça compte pas pour les Nuzlocke, hein. Genre, tu sais, tu lui fais faire une phrase, mais je pense que t'as compris ce que je veux dire. Ça serait qu'en fait, tu lui fais un dialogue du type, « Ah, tu veux un rematch ? Ok. »
Et genre t'as un écran noir et t'as perdu en fait. En fait, t'as perdu. Et tu peux lui reparler autant de fois que tu veux et tu perds. Tu black out, tu te retrouves sans Pokémon. Parce que tu peux rien y faire. Parce que le mec il triche, parce que rien à foutre. Genre c'est... Le mec il est déloyal. Ok, c'était pour l'arène, c'était les règles, machin. Maintenant tu veux m'affronter en 1v1, moi je m'en bats les couilles, je triche comme pas possible. De toute façon c'est truqué de fou. C'est genre une dinguerie comme ça. Tu mets un petit message, PTDR, ça compte pas pour ton Nuzlocke, hein, bien sûr. Je sais pas, je pense à une dinguerie comme ça où genre tu peux pas gagner contre lui. Je trouverais ça drôle en vrai. Genre le mec. Genre je sais pas, tu sais, genre t'es en train de parler avec lui, tu lui dis ok on va se battre, et t'as genre 50 gars qui te tournent, qui se retrouvent autour de toi avec des Pokémon, et le gars il est en mode bah oui frérot. Je truc des élections, t'as vraiment cru que je prendrais un combat en dehors de l'arène, en legit? T'as cru quoi? Et tu te fais marave la bouche. Ça serait tellement drôle, je trouve. Mais bon, concentre-toi d'abord sur la fin de ton jeu, en vrai. Ça, c'est des détails que tu verras plus tard. Mais je propose l'idée. Voilà. Mais bref, en tout cas, franchement, gros GG de ta part. Vraiment, le jeu, il est vraiment cool. Et puis, on verra ça mercredi, de toute façon. Mercredi, on verra. On va le continuer. En tout été, je savais pas si j'allais continuer ou pas. Parce que ça décale un peu dans mes schémas. Mais en soi, j'ai pas spécialement grand-chose à faire les mercredis. Donc, si tu me dis qu'on est à la moitié et qu'on a de quoi faire un deuxième live, franchement, autant aller le faire. Honnêtement, je suis assez curieux de voir ce que t'as fait pour la troisième arène. Ouais. Merci pour le live. À la prochaine. Merci, Fexa. En tout cas, je vais y aller, moi aussi. Des bisous, tout le monde. Du coup, vendredi. Pour la suite de Infinite Fusion. En attendant, je vous fais plein de bisous tout le monde. Hein. On va arrêter YouTube ici, là. Des bisous. Bonne soirée. À plus. Au revoir. Je vous aime. À vendredi pour du karma. On va se faire péter la rondelle. Ça va être génial. Allez, des bisous. Ciao, ciao. Oh, je suis éclaté, sa grand-mère. Non, par contre, premier degré, j'ai le bruit du canard dans ma tête, il me le fout. Je veux pouvoir l'écouter en boucle. Coin. Coin, coin. Ah, il en faut peu, ouais, Jaco, pour se marrer. Des bisous. Coin. J'ai trouvé un nouveau jouet, les gars. C'est incroyable. Allez, des bisous.